will carry you home. When you got nowhere to go, I need you to know. Oh,
pas du tout prêt, je finis de manger, putain. Mais je suis à la bourre de tout. C'est la semaine du à la bourre. Mais tout va bien. Tout va bien. On le remet vite fait, hein. Je mange vite. En plus, c'est pas du tout compliqué. C'est une côte de bœuf avec du caviar. Dû à ma nouvelle stature sur Internet. Elle finit jamais cette musique. À un moment donné, t'as envie d'en plafonner tout ce qui bouge. C'est bon le caviar, mais c'est un peu lourd. En plus, c'est que de la croûte de bœuf, ça se marie pas trop. Ouais, ouais. Ouais, cette musique rend folle. Eh dis Didier, c'est normal qu'il n'y a plus de son. Ah, je sais pas, moi je viens pas souvent ici. Qu'est-ce qui se passe? On attend quoi? Ah, j'en sais rien. En même temps, c'est le mec qui... On a des idées de... Avec un problème de... Hein? DJ Coupure. Vous connaissez DJ Coupure? Quelqu'un de génial. C'est tout. C'est la pire intro ever. Vous avez pas mieux que ça. Bonjour. Vous allez bien? Vous êtes beau. Je vous ai déjà dit que cette petite musique là en mode... Ah d'accord, en plus la caméra a chié. Mais qu'est-ce que c'est que cette caméra? Qu'est-ce que c'est que ce mode de caméra? Même la cam est en PLS le vendredi. On voit à travers moi. C'est un reflet. Mais qu'est-ce que c'est que ce bordel? Allô? Allô? La caméra est défoncée ou quoi? Tu t'es fourni chez les verts? Bonsoir, bienvenue sur ce live. On va faire croire que c'est exprès. Bien entendu, c'est un aspect artistique, mesdames et messieurs, aujourd'hui. Avec une incrustation professionnelle. Et une caméra totalement fuckée du cul. Merci d'ailleurs. Il te reste un peu de caviar dans la moustache. Oui, il n'y a pas de côte de bœuf aussi. C'est côte de bœuf à caviar ce midi. Kissib, merci à toi.
pour les 48e mois de sub, ça fait plaisir, qui dit « Salut Alex, et voilà 4 ans, 4 ans d'arnaque, 4 ans d'art to play, 4 ans de RP avec Murphy puis Arma, puis son passage sur GTA, 4 ans que je peux te souvenir, mais il y a maintenant 7 ans que tu arnaques mes soirées, alors vas-y, continue, faire de la merde et le faire bien. » Merci à toi Kissib, et merci pour ce resub, merci à Exos. Merci à toi pour l'Eurosub, ça fait 5e mois parmi nous. Merci à Miyazaki pour son 67e mois, c'est énorme. Qui dit ça fait un peu longtemps que même toujours autant l'éclat de sur tes lives. Merci pour tout, monsieur le clic. Bah, merci à toi. Merci à Machistador qui vient de resub aussi, son 7e mois parmi nous. Et ça, c'est plutôt cool. Merci à toi, Machistador. Et bah, pour fêter ça, je vais avoir une surprise pour vous aujourd'hui. Parce que j'aime bien les surprises. Voilà. Avec, à part cette caméra complètement faite exprès, avec le verre d'incrustation, tout ça pour. Fêter le Z-Event, tout ça, quoi, bien entendu, oui. Merci au petit panda qui vient de recevoir son 7e mois parmi nous, ça fait plaisir. Merci à Kylian aussi pour son 6e mois. Il dit, je t'ai loupé, art to play, je suis dégoûté, mais je suis content de te retrouver en live, et ben, on se verra plus tard. Merci à Guts qui vient d'offrir 10 subs à la communauté. Merci à Romain qui vient de recevoir 6e mois parmi nous, ça fait plaisir. Merci à toi, ça fait plaisir. C'est la deuxième cam, je crois. Non, non, mais c'est la première. C'est celle-là, mais je sais pas ce qu'elle, branle. Pourquoi elle est baisée comme ça depuis ma réunion de ce matin? Tout ça, c'est parce que j'avais une réunion sur Teams ce matin. Et depuis Teams, le truc a complètement pété une durite. Voilà, il a jamais marché sur Teams. J'ai pas d'explication. Ah, mon pauvre Hugo. Bah, je t'appelle tout à l'heure, frérot. Je sais que t'es sur le live, je t'appelle, frérot, tout à l'heure. Ah merde, c'est chiant si t'as eu une merde. Du cœur sur toi. De l'amour. Comment tu fais du cœur, Alex? Cœur. Ah ouais, tu dois, les gens vont adorer t'aimer. C'est une folie, je t'appelle tout à l'heure, Sage Player, merci à toi, 5e mois parmi nous, merci à Sac aussi, qui vient de recevoir aussi, c'est son 5e mois, à Skirez, son 4e mois, à Gelandry, c'est son 5e mois, Johan, qui vient de resub, 7e mois parmi nous, merci à The Cotton Tortoise, qui vient d'offrir un sub à la communauté, ça fait plaisir, merci à vous. Salut à tous, on dirait une image rémanente, ouais, tiens, en fait, je suis caché dans l'image, qui est cachée dans l'image, on dirait en fait une incrustation cachée, tu sais, l'incrustation complètement chiadée. Tiens, on va lui dire bonjour à la... On va lui dire bonjour parce qu'on attend le serveur. Il faut aussi que je fasse une... Comment ça s'appelle? Il faut que je fasse une... Merde. Un patch note. Voilà, je vais vous le montrer. Il va y avoir un petit patch note des familles. Ah, j'ai pas fait le patch note d'hier. Ah, mais j'ai pas fait le patch note d'hier. Ah, le con. PS. IR. New. MLOG6. Voilà. Comme ça, c'est rajouté. Impeccable, ça sera bon tout à l'heure. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Je ne sais plus. Au pire, débranche, rebranche, ça résout tout. Oh là là, t'es fou, toi. Jamais faire ça en live. Vaut mieux une caméra foirée qu'un live qui pète. Mi-vert, mi-balas. C'est vrai qu'on a un côté balas vert. On sait pas chez qui on achètera de la drogue. Xoxia, merci à toi pour l'Eurosub, ça fait plaisir. Deuxième mois parmi nous. Merci à Johan, 7e mois parmi nous. Au programme aujourd'hui, mesdames et messieurs, on a le live ensemble jusqu'à environ 17h. Ce soir, je ne suis pas là. Je suis au Zénith de Nantes, ce week-end pas là, et on reprend la semaine prochaine avec un gros lundi. Mardi, je ne serai pas là, mardi et mercredi, je serai absent. Mardi soir, je pourrai live, mais mercredi soir, je ne pourrai pas live. Bref, je vous ferai la programmation la semaine prochaine, j'ai plein de trucs. Je suis aussi l'invité du plateau de France 3, Pays de la Loire, jeudi midi, je crois. Enfin bref, ça fait une journée un peu, une semaine un peu de couillon, mais ça va le faire. Ne vous inquiétez pas, il y aura du live de nuit, live de soirée, bref. La dernière fois, Alpha avait eu ça avait désactivé et réactivé la source OBS, et ça fonctionnait. Attends, on tente. Je tente ton histoire de source OBS. Ah ouais, non, moi je peux pas passer par là. Faut que je passe par ça, regarde. Hop, est-ce qu'on peut la... Hop, hop, non. Est-ce qu'on peut... Hop, hop. Allez, mais quelle bande de génies. Vous êtes des génies incompris, bordel. Magnifique. Ce chat, mi-technicien, mi-Chuck Norris. Et moi j'aime beaucoup, voilà, je vais vous le dire. J'aime beaucoup ce que vous faites. France 3 pour la grand-mère. Mais mec, c'est complètement pété si je fais ça pour ma grand-mère. Tu vois ce que je veux dire? C'est juste complètement overpété. Ma grand-mère, elle me voit dans France 3, l'apocalypse du cul. Hein. Je vous le dis tout de suite. Mesdames et messieurs, nous pouvons nous connecter. Ouais, on nous indique que vous pouvez vous connecter avec une petite surprise. Très bien. Si on se connecte, allons-y. Il faut la bonne musique pour les surprises. Est-ce qu'il y a une musique de surprise, s'il vous plaît? The year is
1991. Birds and people are living together in seemingly perfect harmony. Until one day, a young man catches fire. This is Phoenix. Je suis vraiment naze aux jeux vidéo. Mais qu'est-ce que c'est que cette merde? Mesdames et messieurs, c'est l'ouverture du snack sur le téléphone. Des heures de jeu pour les tryharders. Mais que dis-je, certains policiers. Et pour l'instant, le top 1, c'est Miguel. C'est Miguel, le top 1. Voilà, mais ce n'est pas le seule chose qu'il y a. Il y a aussi, je vous le rappelle, pour les criminels, ils vont être contents sur la carte d'identité. Nous avons maintenant l'adresse. Mais elle ne fonctionne pas. Ah, elle ne fonctionne pas. Allô, allô, la technique, ça ne fonctionne pas. Ah, ça marche pas des masses. Ah, t'es sur le permis? Ça marche pas, hein. C'est sur la carte d'identité, hein, mais y a pas l'adresse. Allô? On aurait pas oublié l'adresse? Voilà. Alors, ce qui veut dire que... entre nous... on peut avoir un appartement non déclaré, mais faut peut-être pas que la police contrôle. Bah oui, il faut leur laisser un peu, tu vois. Donc Robert, il va falloir que les personnes chez Robert se fassent jamais contrôler. Déjà, faut que la police y pense, et ça, voilà. Ça, c'est pas gagné, hein, c'est pas gagné. Mais j'ai plus d'appartement, quoi. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Rendez-moi mon appart! C'est la merde! Top 1, mais ça a pas duré, hein, qu'on soit entre nous. Oh putain! Démo, t'es trop une merde! Alors, parce qu'il faut savoir que pour avoir les tops, on s'est juste assuré de rentrer 5 minutes avant les autres joueurs, histoire que. Soit une fois dans le top, quoi. C'est fait ce petit kiff. Voilà, j'ai juste voulu dire Démo, chais, bâtard! Chais! Bon, on peut peut-être essayer de battre le record. Absolument un mano dans cette merde. Quitte à rien branler, autant, tu vois. J'ai l'impression que c'est pas très... Allez, vas-y, Miguel. Allez, Mimi, le temps que les autres arrivent, tu peux le faire, là. Miguel... Parnasse 34! Mais quel bâtard! Enculé! 34! Quel enfer du cul! Sûr, tout le monde va tryhard comme des connards pendant des jours et des jours. Oh, oh, oh!
Quand t'es trop gros, tu paniques! J'ai paniqué là! Là, on a vu que j'ai paniqué ou pas? Tu as. Oh, mais je vais où là? Mais pourquoi ça réagit pas comme je veux? C'est compliqué là! Je sais quoi, 21. 21. Oh lolo, oh lolo, oh lolo, oh lolo, oh lolo, oh lolo, c'est compliqué là. Allez, allez, Alex, allez, Alex. Ta vie à tryhard pour un snake, quoi. Quand t'étais jeune, t'étais doué au snake. Je crois que j'avais quasiment le record de mon collège. Ça, c'était il y a longtemps, hein. On se rappelait les mécaniques. Ouh! Allez, faut battre par là, ça. Faut battre par là, ça! On y va. 28, 29, 30, 31. On va faire des circulaires pour l'instant. On va louper, prenons le temps. Switch sur les appuis. Ah, putain! Et ça monte pas quand je veux. Je retrouve le. Badger 35! Shenka, bâtard! Attends, on va y arriver. On va pas s'arrêter à 31, 32. Impeccable. Combat de Parnasse, 33. Putain, j'arrive pas à tourner quand je veux. Attends, on va y arriver, on dirait un mec qui est bloqué sur un rond-point. Allez, 35. Nickel, 36. C'est là où il faut se calmer, parce que c'est là où ça peut partir en couille, 37. Et on y croit, là. 38, 39. Allez, c'est ça qu'on veut. Là, tout va bien. Putain, j'arrive pas à tourner quand je veux, quand même. C'est dingue, ça! En plus, c'est cette espèce d'écho de merde! Oh non! Non, le public est tellement déçu! 39! Ah, quel enfer, 39! Oh, Gabs, comment ça va sur le chat? 39! Putain, on va faire des heures de stream Snake. Tu vois ce que je veux dire? La base, en plus, il est très joli, comment il a été fait. Voilà, Charles Collins, premier. Premier parmi les premiers. Chet! Ah! Putain, le RP Snake. Là, je viens vous dire qu'on a niqué une grosse partie de la population. Le RP Snake, comment te dire? Et je peux vous dire que je pense qu'il y en a qui vont arriver à 80 avant ce soir. Je sais pas combien tu peux monter. Je sais pas, j'ai bien peur que le BE soit partout. Dans deux secondes, Parnasse repasse devant. Ouais, c'est pas grave, j'aurais été premier. Regardez, prenez les photos là. Prenez les photos. Du coup, concernant Robert, c'est totalement fini d'avoir des apparts totalement cachés. Bah non. La police a pas le listing de tes appartements. Le Gouv, lui, l'avait de toute façon, si tu le déclares. Alors, je connais pas la mécanique. C'est pas moi qui l'ai géré. Hein, je sais pas si ça s'affiche sur ta carte d'identité si tu déclares ou ça s'affiche tout court. Donc faudrait se renseigner. Maintenant, c'est pour être balance. Il faut que la police ait toujours une trace. T'achètes un appartement, il est bien à ton nom. Donc voilà. Je vais demander. Pour l'appartement, est-ce que il est visible si tu le déclares ou peu importe. Je demande. Intéressant comme question que vous avez. Il y a principalement des chefs d'entreprise qui ont pris le top du snake. Ah, et Miguel. Attends, Mimi, attends, on va peut-être se refaire un petit snake vite fait là. Voir si on peut battre son record. Pendant qu'on discute. Le problème de discuter et snaker en même temps. Mais après, l'idée, ça serait de rester dans le top score, quoi. On va tryhard le snake. Ah, des fois, ça veut pas... Est-ce qu'on peut jouer à la manette? Dès que j'ai des infos du staff, je vous dis, concernant les appartements. C'est vrai que c'est votre question est pas con. Et vous avez raison. Bonjour. Je peux pas, je suis concentré. Je suis numéro 1 snake. Aïe, y'a le snake. Y'a le snake, je suis numéro 1 snake. Aïe, y'a vraiment le snake en plus. Je suis numéro 1 snake. Attends. Je suis numéro. Je suis numéro 1 snake. La mano numéro 1 partout. J'ai fait 39. Une véritable machine. On m'appelle les serpents dans les milieux.
Je sens qu'on a bien fait de prendre un prestataire extérieur. Je pense. Tout le monde va être là. Ah, vous fêtez pas des armes? Non, non, non. Il faut peut-être. Qui c'est qui déclenche la radio pour dire que les prestataires peuvent. Bah non, les mecs. Oh, je suis dans une boucle parfaite. C'est magnifique. Une boucle de serpent parfaite qui s'aligne. La tête et la queue, je sais pas quand tourner. C'est la merde. C'est la merde. Ah oh non, suce des bites, Miguel. Miguel suce des bites, il est nul. Bon, je referai 39. C'est quoi la radio avec les prestats déjà 682, je crois. 682. Je suis dessus, là, mais... Bon. On peut pas tout faire, là. Et la note, c'est combien? 621. Je vous donne le top. Non-stop. Avez-vous besoin d'une livraison? Ah oh, putain, j'ai perdu. Nick. Bon, on ne doit pas être là. Oh non! On a le temps pour sneaker un peu. À combien vous avez fait? 19. Pareil. T'as vu qui c'est les premiers? Ouais. Je vais envoyer un message aux autres. Il y a un snake, venez. Mais des fois ça tourne pas comme tu veux. Tu sais, c'est... Ah, il y a un délai. Ah, ça y est, je suis dans une boucle infinie moi aussi. Oui, bonsoir. Attends, on finit la partie. Ah non! Non! 17 au snake! C'est pour. Il y a un snake et c'est moi le top! C'est moi qui ai le top! Charles Collins, 39! Il y a un snake? Mais non! Ah, mais des fois le serpent il veut pas tourner cet enculé. On a bien fait de prendre un prestataire, je répète. Putain, j'arrive pas. J'ai mangé ma queue. Non. Comment ça, t'as mangé ta queue, chérie? Je parle pas de queue, s'il te plaît. J'étais au Bénise ce matin. Ils m'ont parlé de tub. J'étais en mode j'ai pas encore bu mon café. On se calme. Comment ça, t'es à 39? Comment ça, t'es déjà à 39? Une machine. Ah bah oui. Je vois ça. Non. Je cherchais mon café, j'arrête. Ça me rassure, c'est que je me suis dit t'es nul Miguel, mais en fait je suis dans les meilleurs des nuls. Comment ça? Bah parce qu'une personne n'arrive à me dépasser pour l'instant. Putain, j'ai fait 30. En fait, il faut toujours faire les mouvements en héros. J'ai dit ça et je fais pas. En fait, tu dois espèce de faire des carrés. Tu dois toujours fonctionner sur les modèles des triangles. Et si tu loupes, il faut pas essayer de les reprendre. Il faut essayer de faire les tours. Plus tu vas vouloir et prendre les appuis, plus c'est la merde. Et qu'est-ce que j'ai dit? J'ai dit faut pas faire ça. Qu'est-ce que j'ai fait? Je le fais. Et en fait, plus t'en manges, plus ça accélère. Mais des fois, il veut pas tourner cet enculé. C'est normal, ça ne sert pas. Ah, je vais le fumer. Ça commence à aller vite là. Miguel solide sur les yeux. Sniper des snakes. Oh putain! Oh là, qu'est-ce qui passe? Ça va trop vite! T'as combien? 37. 40. 41.
fait 42, je reprends les records. Record. Qui c'est qui est solide? Solide sur les appuis. C'est qui? C'est qui? C'est Miguel. Faut développer une filiale Mano Snake. C'est le double des 21. Oui. 48, Catardo. Il faut qu'on tue Catardo. Oui. Vous avez pas un boulot, vous, bordel des merdes? Arrêtez de jouer au Snake et travaillez. J'ai appelé Catardo. Ça n'est connu. J'ai un problème. T'es dans une boucle infinie. J'ai le carré rouge qui est en dehors du... dehors. Sérieusement? Ah, ah ouais. 48 Catardo. Non mais c'est sérieusement. Baisé. Il fait 48. Comment, il faut que je remonte à 48. Tu peux brancher une manette sur ton téléphone, ça marche ou pas? C'est la question. Non, ça marche pas. C'est la merde. Bon, comment c'est passé? Vous avez eu le temps de finir la préparation des commandes et pour les... Presque. Il reste la carte. Ok. On va se commander ça rapidement. Après, on peut taper dans une des nôtres si on a les vides. Ah, bâtard. Combien? 32. Oh non, 17. Comment je peux perdre à 17? Finch 41. C'est qui Finch? Finch? Xavier Finch? Est-ce que vous souhaitez une livraison? Je vérifie quand même que c'est la bonne fréquence. Et radio 682. Non, non, c'est bon, c'est juste qu'il bosse pas. Faut qu'on attende d'être plus nombreux que ça pour faire la carte par contre. Est-ce qu'il dit Wazen News? Pas le temps d'aller Wazen News. On était à deux doigts de la faire ce matin, mais on a eu un problème avec le silo. Ah, c'est-à-dire? Ariane l'a chuté. Oh non. Ah bah ça arrive. Il y avait l'hélico. Hein. L'hélico de la police? Ouais. Ouais. Ils ont pas vu Aria tomber. Du coup, Alan les a baladés. On a récupéré Aria, mais Alan avait GPB, la dope et armes sur lui. Pourquoi il avait les trois? Parce que plus on est fou, plus on rit. Oui, non, mais à un moment donné, c'est pas une question des riz, c'est une question des fous. Ouais, non, mais... C'était une coïncidence. Ça met mal quand il veut pas tourner les serpents. Hein. Du coup, on s'est démerdé. Mais du coup, on avait plus le temps de faire la K après. Non, c'est pas grave. On va les faire là. On finit nos 15e partie des snakes et on y va. L'un dans l'autre, c'est pas plus mal parce que si on l'avait commandé. Potentiellement, vous l'auriez perdu. Ouais. Il y en a un qui a perdu et ça fait mal. Mais pourquoi? Pourquoi tu tournais pas, putain, des serpents des merdes? Ouais, il est pas au petit le jeu, j'ai l'impression. Je pense que c'est. Tu sais, c'est les jeux codés avec les culs. Ouais. Mais c'était déjà comme ça dans les années 80, c'était codé avec les culs, les snakes. C'est les remasters d'un jeu déjà codé avec les culs. En fait, c'est fait exprès que ça tourne pas, il y a toujours une latence. C'est ce qui fait la complexité du jeu. Juste que j'ai battu Catardo. Ça c'est dur hein, quand ça se met dans les coins là. Mais on n'est pas censé passer au travers en fait. Si. Ah ouais? Oui. Il y a deux versions du Snake. Il y a la version... La première version du Snake, tu pouvais pas passer à travers. La deuxième version du Snake, je crois que c'était sur 34-10. Tu pouvais passer à travers.
Mais le problème, c'est que sur la première version, l'accélération n'était pas énorme. Sur la deuxième, si. Ok. De toute façon, que... c'est la même. Juste, ça augmente les nombres. L'effet des traversées. Mais il y a eu plusieurs versions des Snake. Ils se sont dit qu'ils remasterisaient à l'époque, déjà. Ils faisaient des DLC. Il y a des fois quand ça veut pas. Ça ne connaît. Putain, il a pas tourné cet enculé. Des fois il tourne pas, ce petit bâtard. C'est qui ce serpent là? En fait, tu sais que les codages du jeu fait que il a tu sais quand il tourne, à chaque palier, il tourne différemment et accélère différemment. Je reviens, je vais chez Life Invader. Faire une dinguerie. Pourquoi tu vas chez eux? Parce que c'est sûrement Life Invader qui a codé ce jeu à la con. Mais il y a personne là-bas, tout le coup. Tu veux qu'on aille voir Life Invader pour gueuler que c'est codé avec le cul? Je vais tout brûler. Très bien, tout de suite, animal. Ah, bah, bien. 42, j'arrive pas à faire mieux. J'ai fait un peu une dinguerie tout à l'heure. Cheux 42. Hannibal? Hannibal est parti pour faire une dinguerie, il est parti brûler Life Invader. Il a surtout de m'emplafonner et de me faire voler, oui. Ah, ça va. J'ai pas encore bu mon café Hannibal que je viens déjà d'avoir la tête à l'envers. Toi aussi, des fois, tu cours après une putain de cerise pendant 4 heures? Oui. Je sais pas d'ailleurs, c'est une cerise, c'est peut-être une pomme. Oh, alléluia, j'ai fait de la merde. C'est hyper dur. Walter Hélène. Walker Hélène, 45. Comment ça me fait chier? C'est bien début. T'as vu Catardo, t'as battu? Oui, oui, je l'ai appelé pour lui dire qu'il faut qu'elle aille bosser, ce connard. Au fait, Mike, on m'a dit de chercher une sougoï. Moi ? Même pas ce que c'est qu'une sougoï. Il y a Catardo qui en a une et il serait peut-être prêt à la vendre. C'est pas... Putain, j'ai perdu. Appelle-le, il est là, Catardo. Non, il m'a... je crois que c'est la sienne, c'est la c'est sa personnage. Qu'est-ce que c'est, les sougoïs ? C'est une 4 places assez cool. C'est l'ancienne voiture de LS. Le truc, c'est que je suis pas fan, c'est une traction avant. Après, je l'ai conduite, elle est pas dégueu. Hein. Hop, les lunettes, le café. Et c'est bon, je suis prête à faire la DRH. Non mais sérieusement, niveau des nullités de cet homme. 42, il y a Perrault. Qui c'est Perrault? Charles Perrault? 42. C'est Pernaud ça. 45. Mais c'est pas possible. On va trouver ces gens et les tuer. Nickel. Pour un jeu, tu me diras. C'est débile, mais non. Pas n'importe quel jeu! C'est le Snake. On va y arriver. Allez, Miguel. C'est bien ça, Miguel. Mais non! Mais pourquoi tu tournes pas? Putain, les serpents de merde! Je suis quatrième. J'étais premier. On va récupérer la première place. Bon. Oh, c'est un peu... Madame la directrice des ressources humaines? Oui. C'est pour être dans votre bureau. J'étais vilain. Sous le bureau? Si. Bah c'est parti. Écoutez, j'ai un créneau de 10 minutes. Reviens Mike. On prend les Snakes, un bureau et nous.
Faites. Vous avez un créneau de combien? 10 minutes. Beaucoup trop long. J'ai trouvé le mec qui a codé ça. Ah. Et alors? Il va le torturer, je pense. Il a mis un coup de taser, il était en train de boire son café, il s'étouffait avec ce con. Ah bah. Voilà, il n'y aura pas des mises à jour, merci Hannibal. Pas grave, j'ai dit à son collègue, t'avais qu'à le recoder. Il a dit ok. Mais non! Comment ça, mais non? Mike, t'es où? Quoi? Mais pourquoi. Petit Raoul? Qui c'est Petit Raoul? 51? Petit Raoul. Ah oui. Moi, j'ai l'impression qu'on va avoir des gens à tuer, nous. Oh, mais non, mais j'ai encore la case d'or. La case d'or? Ouais, des fois la pomme elle est dehors, du cadre. Bon, sinon, il reste, on en fait 27. De 23h à 2h du mat. Ça fait une moyenne à combien? Bah, 9 caisses par heure. Si mes comptes sont bons. Pour faire 9, 27. A voir s'ils arrivent à faire 40 par jour. Là, pour l'instant, il n'y avait personne. En tout cas, il n'y avait pas des nouvelles sur la radio. Ils nous demandaient s'ils pouvaient travailler tard. Des fois, on leur a dit que oui. Des fois, il y aurait des gens. Sérieusement, faut demander. Et Je m'attends d'aller voir à 13h. Ce qu'ils nous sont juste remontés, c'est que bah, ils allaient devoir acheter des véhicules off-road. On leur a dit, ils ont dit ça posera pas des problèmes. Ah bah j'ai vu l'Evron arriver avec deux portières en main, quoi. Ouais bah c'est normal au début. Et c'est qu'un Evron? Les Waves. C'est qui chez les Waves, qu'un Evron? Je sais pas. Ah, j'ai vu leur chef aussi. Alors senti? Il était là. De quoi? Est-ce que c'est un chef pipou? C'est un chef qui fait peur? Il est sympa. Ouais, il est pipou quoi. Ouais, tant qu'il fait les caisses. Il y a un moment, il y a même Pablo qui m'a envoyé un SMS quand on a fait le débrief avec eux, si on était à l'école, parce qu'il y en avait un qui levait la main pour poser une question. D'accord. Pouland. Oui. Mais il travaille très bien. Pareil, Jim leur a posé une question que si jamais il y en a un qui quittait chez eux, qui allait balancer qu'est-ce qui se passait, ils ont dit que de toute façon, la politique de la maison, c'était tu te casses de chez nous, on bute. Très bien. C'est bon, c'est des bons prestataires. Et ils sont très bien répartis parce qu'il y a des caisses qui étaient genre pleines de paletto qui récupéraient hyper vite. Et ils ont dit qu'ils avaient investi dans des voitures, parce que là ils avaient investi dans des voitures pour faire des supérettes. Mais pour les caisses, bah du coup, il va en falloir d'autres. Mais ils nous ont demandé aussi si ils faisaient le quota après c'était fini. On leur a dit bah non, juste faites les caisses que le vous minimum, voulez. Le minimum c'est le quota. Maintenant après ils peuvent faire plus, mais le minimum c'est le quota. Et Pablo leur a parlé qu'ils pouvaient faire ça pour la fame. Pour la fame. D'accord. Pablo, il essaie vraiment que les gens travaillent pour nous gratuitement. C'est un problème. Ça va être un léger problème, je pense. Je pense qu'il... Ouais, peut-être qu'on essaie de les payer en visibilité, mais je sais pas, mais... Et il croit quoi, qu'on travaille sur Instagram avec Slick Insta? Je sais pas. Ah, il y a encore l'Icebox. On finit, là t'as gagné. Ah, il y a plus l'Icebox. Ah, je trouve autre chose, du coup. Calme-toi. Mais Ok, d'accord, donc ça va être des cris de cochon d'Inde toute la journée. Quoi. Ah, j'avais été défoncé, j'étais en train de faire un record au snake. Oh ah, allez, bah c'est parti pour une guerre. Tu vas bien? Non, ça va pas du tout, j'allais faire les records au snake. C'est à 48. Ah, merde. En espérant que ça met en pause ta partie. La radio avec. Je passe pas. Je passe pas. Et mon Ice. Oui, j'ai eu un message du grand chef. Oui. Il m'a dit que c'était possible du coup. Ok, bah allez. Je vous laisse faire payer. L'échange, les paiements. Et l'esprit, ouais. Si on met tout en place et ouais. Tu vois ce que tu peux nous mettre des côtés de drogue par jour. Tu fais un petit tour, tu me proposes un prix et okay. Nous on prendra tous les jours. Pas de souci, ok, allez. Je fais comme ça. Allez, super. Merci d'avoir appelé. Oui. Je prie pour que ça n'ait pas annulé ta partie. Fais attention. J'espère. C'est toi qui raccroche comme ça, tu es prêt quand tu recommences. Ouais. Ah bah oui, mais non, Mike. Non. Ça l'a même pas compté. Ça. Quoi? High score 48, je suis pas dans les paniers. Mais non. Non mais attendez, ça, les gens n'ont pas dit pour qu'on soit déjà là. Mais non. Et ça me dit bien, mon high score c'est 48, mais ça me met dans les top 5e à 42. Quelle enculade. Déception. Et je crois dans le domaine informatique on appelle ça des bugs. Dans le doute, reboot. Attends, je l'ai refait. Ah putain, je suis malade, la fièvre. Qu'est-ce que je vais prendre? C'est fièvre, c'est quoi? Antidouleur.
Je vais pas le refaire. Non, sérieusement. Au moins, ça m'aurait mis deuxième. Ah, puis là, j'ai plus la motivation. Le jeu va faire ressortir le pire de moi, hein. Je sais pas si vous êtes conscient. Hein. Moi, j'ai... Le problème, c'est que si quelqu'un, il faudrait qu'il remonte à la technique, que si quelqu'un appelle, ça met pas en pause et ça gardait pas les scores. Manger la queue. Putain. Il y a 20 là. Mais non! Donc en fait, maintenant on se foutrait les caisses pour pouvoir faire du snake. C'est exactement ça. Je vais juste refaire mon 48. Après, on va bosser. Ah oui, puis Pablo m'a dit qu'à l'époque, quand vous faisiez de la dope, qu'il faisait une maintenance, il avait toujours un rituel entre 1h30 et 2h du matin de se faire tirer dessus. Et que si c'était pas le cas, c'était une mauvaise soirée. Donc tu sais, pendant 1h30 du matin à 2h, on a attendu de se faire tirer dessus. Et alors ? On s'est pas fait tirer dessus. Il y a un moment, il y a le portail qui a bougé, Pablo est arrivé avec la K, en mode c'est parti, let's go. Mon rituel. Mais à l'époque, les gens ne nous respectaient pas. Et surtout que là, oui. Il a son AK dans le dos. C'est son doudou, hein. Il a dit clairement que c'était son doudou. Hein. Mais non, mais... J'ai entendu un truc trop marrant. Je m'envoie les courriers, Anibal, je peux pas te répondre. Y'a un mec du LSPD qui refusait de sortir de sa voiture. Parce qu'il était en train de jouer au Snake. On en est à là, vraiment? Ouais, il refusait de sortir de la voiture pour que le mec du Benny puisse réparer. Parce qu'il était en train de faire un bon score. Je sens que c'est... Ça y est, c'est le début de l'apocalypse. Ça va le vite. Jeu Hannibal, c'est le début de la fin du ça monde. Ça va vite! C'est Life Invader qui l'a fait. C'est Miguel, ça va trop vite! Hein? Vous avez connu le jeu avec les boules? Fermez vos gales! Flipper? Non! 56, je passe deuxième. Putain de merde! Ouais, j'étais presque. Boules, j'étais presque. Les boules. Les boules de couleur? Putain! Ouais. Combien? Oh là là. Ça va trop vite. À 56, ça commence à être de l'aléatoire, c'est très sympa. Je suis deuxième. 56. Chez, je vais appeler Catardo pour lui se faire enculer. Nickel. Les autres, ils ont toujours pas répondu. Non. Vous voulez des livraisons? Ah oui, d'accord. Alors, vous bossez là, hein? Oh, bordel. Bah, s'il faut. 13h45, personne? Qu'est-ce que c'est, bordel? Ouais, moi je vais aller tester la dope. Hein. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression qu'à 17h je suis encore sur le snake. En plus, pour une fois, je suis content, je suis dans les tops. Au démineur, je suis nul, mais au snake, tu vois, je me défends. Putain, mais moi j'ai prévu tout mon attirail là, j'ai tout. J'ai prêt à partir sur les chapeaux de roue. Pour la permanence, y'a personne. J'ai retenu sur salaire, ça je reconnais. Mike, je te veux dans le top. Ouais, je sais. Je veux que tu fasses mieux qu'essayer.
Encore, Hannibal, à bientôt. Merci. Faudra qu'on garde pour faire un blanchiment aujourd'hui. On a combien? Genre 400 000 bientôt. Bah là, moi sur la compta, j'ai 530 000. Merde, j'ai peut-être pas mis à jour chez moi. Ouais, j'irai faire un tour, mettre à jour tout. Comme ça, je check si je suis bonne dans mes comptes. Ah oui, t'es bonne. Merci. Dans tes comptes. Ah. Ils m'ont mis le doute hier, ils en avaient compté 28, moi j'en avais compté 27. Mais non, c'est moi qui avais raison. Faut que je repasse, j'ai pas de gun. Le plus dangereux, c'est sur les bords. Du Nil ? Ils sont partis, n'en parlons plus ? Ah, les crocos ? Les crocodiles. Oh putain de merde. Ah ouais, non. Oh, les Rodriguez. Comme ça, je m'appelle en même temps. Toi, tu parles fort, Mike, sur ta radio, elle est bloquée. Tu m'entends, là ? Ouais, je t'entends. C'est bon, là ? Voilà. Ça a l'air d'être bon. J'ai pas réussi à les passer. En fait, je me demande juste si tous les lives sont pas en train de faire du Snake. C'est une vraie question. Est-ce qu'il y a que nous, ou est-ce que tout le monde est en train de faire du Snake ? Je suis content, j'ai le deuxième record. Je vais pas le garder, mais... Mike, t'as pas réussi à faire plus des 43? Non, mon record c'est 39. Moi, ce que j'ai mis dit, c'est 60 ou rien. Ça doit aller putain à 60 putain. J'ai fait 56. Je me dis que si vous êtes assez bon, on peut ouvrir une équipe d'e-sport. Les quoi? E-sport. C'est quoi ça? C'est le truc où les Chantal 45 ans disent que c'est pas du sport. C'est des compétitions. Et se compétitionner quoi? De jeux. Des jeux. Bah comme ça vous pouvez participer aux mondiaux du jeux Snake. Bah les mondiaux du Snake. C'est mon dieu, ça peut pas être... Il va falloir vous entraîner les gars. Des compétitions des snakes, c'est ça? Oui. Ça n'existe pas. Création mondiale, bon on peut créer ça. Mano Snake. Pourquoi tu vas me dire que c'est un métier, que les gens gagnent de l'argent vers ça? Ouais bon faut peut-être pas abuser non plus. Hein. On est d'accord. Ça reste des branleurs qui jouent aux jeux vidéo. Hein. Et toujours j'attendais ça. Y'a des gens sur l'internet. Ils se font payer par les autres qui bossent pas. Afin de eux toucher de l'argent. Mais pourquoi on fait pas ça nous? Parce qu'il faut les communautés. Bah on les menace. On en a une communauté. Oui. C'est un peu de l'extorsion, non? On n'est pas des criminels? Non mais pas nous! Les gens font ça sur internet. Ah! Bah peut-être. Détournement de fonds? Payer quelqu'un qui n'est apporte rien. Peut-être détournement de fonds. Hein. Je me demande si c'est pas les jeunes qui essayent de faire la criminalité mais que sur l'internet. Ah peut-être. ...57, Flinch. Qui c'est Flinch? Bah, c'est le médecin. Il est pas été viré lui d'ailleurs. Ça fait Flinch, c'est médecin? Ah non, c'est Lynch, pardon, je confonds. Ah, mais Flinch, c'est pas Ice? Comment ça? Ice, il s'appelle Flinch ou il s'appelle Ice? Bon, je suis perdu, c'est la glace ou c'est le feu? Il me semble que son vrai prénom, c'est Flinch. Excuse-moi. Oh, on va encore déclencher une guerre. C'est Alan qui l'avait appelé comme ça, le jour. C'est mes belles. Tu connais l'Xavier Flinch? Plutôt bien, oui. Oui, c'est toi? Ouais, c'est moi, ouais. Ah, c'est bon, je savais pas. C'est Mike qui me dit, c'est toi. Eh bah, félicitations, je vais te rattraper. T'as combien? 56? 56, si ça va vite, t'as 56. Ouais, ça va vite, oui, effectivement. Il va y arriver. Bon, bon courage, bonne chance. Il a pas mieux à gérer. Est-ce que tu connais Amazon Prime? Oui.
Oui, parce que j'ai vu les gens sur l'internet, il faut qu'ils offrent les primes. J'ai pas compris, mais... Bon, c'est lui, les Finch. Si je voudrais une fois dans ma vie faire topé. Ce qui paraît, c'est simple de faire sur Warzone. Ah ouais? Ça, ouais. C'est seulement si t'es chaud. Il est vrai. Ce rythme-là, ça va faire fermeture OMS, fermeture Bénise. Putain des merdes, putain des. Je connais, ça sera un combo gagnant d'insultes. Petit Raoul, je sais même pas qui c'est. Vous savez qui c'est, Petit Raoul? Non. Pas du tout. J'ai hâte qu'ils ouvrent les golfs. Pour faire un 8 trous? Pour faire des parties de golf? Oui, ben 8 trous. Je vois le moment où j'ai parié 100 000 $ à la partie de golf. On va faire les Jeux Olympiques et ce rythme-là. Je vois le moment où je perds 100 000 $ sur une partie de golf. Oh, j'ai une idée avec l'hélico Jad. On pourrait faire la carte au trésor à Los Santos. Il faut des hélicos pour la carte au trésor. Tous ceux qui filment. Après, il faut un présentateur. C'est bon, mais Hannibal. Oh, c'est chaud là ce que je viens de faire. J'arrive pas à passer le 40, c'est horrible. Et là, pour information, je suis bloqué à 17. Il y a des fois où ça va tourner. Je suis en train de m'énerver des patrouilles dans ce moule. Mais ce moule! Ça va toujours pas bosser? Où sont les vagues? Je sais pas où sont les vagues. Dans l'océan. S'ils jouent au snake et qu'ils font pas leur quota, on change des prestataires. De toute façon, on a leur nom hein, si on les voit apparaître dans le top. Ah oui, puis aussi celui qui on comprend pas ce qu'il dit à la radio, c'est forcément Steven. Très bien, pourquoi Steven? Quand on lui demande son prénom, on comprend pas ce qu'il dit, on a l'impression qu'il dit Johan. Ah, ça fait, d'accord. Et nous l'a fait deux fois, et du coup. Comment c'est ça Steven. Il dit Johan, mais il s'appelle Steven? Bah, il dit Johan Telford, alors qu'en fait c'est Steven Telford. Donc du coup, on part du principe que vu qu'on comprend pas ce qu'il dit, c'est Steven. il connaît pas son vrai prénom. Comment ça, il connaît pas son vrai prénom? C'est pas compliqué, son prénom, tu le connais? Deux fois. J'ai demandé à la radio comment il s'appelait, et j'ai compris Johan. Même quand Pablo l'a demandé, c'était Johan. Donc du coup, vu qu'on comprend le Telford, bah c'est Steven. J'ai un dilemme. Oui, dilemme. Je m'apprête à faire un bon score. Et j'ai la gorge... La sèche. J'ai la gorge sèche. Bah tu bois pas. Tu veux que je lance le call EMS tout de suite, Mike? Ouais, ah oui, bah faut que tu perdes vite sinon. Ça fait quand même le score. J'ai l'impression que beaucoup de monde vont faire des malaises, des déshydratations. Je prépare. Hein. Par contre, c'est remarqué dans ton dossier, Mike, déshydratation à cause d'un snake. Hein. ITT 17 jours. Ah d'ailleurs, Ariane a un plâtre. Toujours plus avec les médecins. Et suite à la chute de ce matin? Ouais. Faut que je lui dessine une beuteau dessus. Toujours plus chérie. Non, après, merde! Putain, les pires configurations, pire configuration. Catardo 63, mais qu'il aille bosser, ces petits bâtards. Il a pas des boulots. Si tous les criminels font des snakes, non, il a pas de taf, non. Bon. Il faut pas qu'on ait cherché. Hannibal, comment ça se passe? Bah, nickel. On est un cran en dessous du max, donc je vais partir. Ok. Qu'est-ce que je veux dire? Hier, vous avez vendu beaucoup de drogue?
On a testé les spots, voir si ça tourne aussi bien qu'avant. On a fait un peu moins d'une centaine. Bon, donc ça part bien comme avant. Ah ouais, après on était deux. Vous avez dit qu'il y avait combien chez vous en tout? Oui, oui, t'en vois 3 ou 4 et même faire une heure, ça part vite. Ok. Ah bah, y a moyen de tout cramer rapidement. Bon, et au niveau des Vagos, ça, par information, ça a été accepté par Benson, ils ont plus qu'à payer. Donc les Vagos, après on discutera avec eux des quantités qu'on a besoin tous les jours, et de quel type de drogue, et de combien on l'achète. Le mec, ce serait d'avoir de la mettre. Oh, quelle erreur que je viens de faire. La mettre, ils vont bien la garder ensemble, je pense. Ils vont la garder pour eux, la mettre, non? Non, coke, c'est très bien. Si on peut avoir 500 des coke tous les jours, c'est bien, non? Quel compte? Si on arrive à faire 500 niveau compte de la compta, parce que j'avais mis à jour hier par rapport à l'argent que vous aviez chez vous. Il est où Milo? Il est à 54, mais on le voit pas. Milo, t'es où, bordel de merde? Je vois que t'es dans les tops des snacks. En fait, et Milo, il est tranquille aux toilettes en train de faire du snack, regarde. Cinquième. Milo, t'étais aux toilettes? Non, je me suis levé, j'ai pris le téléphone parce qu'il a sonné, j'ai vu, tiens, il y a un nouveau truc. J'ai essayé, première partie, je suis rentré dans le top 5. D'accord, ah ouais, t'as bien. C'est humble, Milo, humble. Première partie, j'ai tout niqué. Bah, va niquer Gattardo. Ça serait bien qu'il... Devant, hein. Les 1, 2, 3, 4, ça serait bien que ça soit Mano. Mike, pareil, sors-toi les dos du cul. Ouais. J'avoue, Mike, t'abuses. Plus facile de tuer des mecs que... Tu joues au Snake. Ouais. Tu m'étonnes. Des fois, il veut pas tourner. Mais prends-la ta putain de pomme. J'ai comme l'impression que c'est pas un jeu pour toi, Kim. Non. Kim va racheter des téléphones parce qu'il va souvent finir au sol. Je vous ai dit que ce jeu allait faire sortir le pire de moi. Il va falloir trouver des gens à planter. Hein. Qu'est-ce que... Mais mange la pomme, pas ta queue. Très bonne phrase à dire aux enfants. Mange ta pomme, pas ta queue. C'est un très bon mantra, hein. Bah, sauf si on fait partie de la Sainte-Beuteux, mais... Il est vrai. Si tu fais partie de la Sainte-Beuteux, tu bouffes ta queue, pas ta pomme. Une philosophie de vie avant tout. Hein. Oh, mais j'en ai marre. Quoi au meilleur score? 56. 23. Ah, pas mal, 56. À passer 55 et ça commence à partir en couillette. Mais c'est hyper compliqué. Non mais les fameux gens, j'en peux plus. Je vais casser un truc. Peut-être qu'on prenne les actions chez les téléphones, non? Oh Mike, à chaque fois tu perds à combien? 39. Ben. J'ai à 46. Je suis en train de faire mon top score là. Merde, et bite 43. Chier. Oh. Des fois t'en as, ils sont pas bien placés. Excusez-nous, on va y arriver. C'est le. Pour l'instant, mais c'est non. L'épisode. Viens, on joue à Snake. Oh, je donne tout, là. C'est tout le temps. 38, 39. Non. 34. Ceux qui 52, sont dans les extrémités, 53, c'est 54. Ah, 54. Les extrémités, c'est compliqué. Il faut bien les protéger, surtout quand il fait froid. Quoi? Non, les extrémités, il faut porter des gants. Putain, mais je tombe dans le vide comme Indy Lou, là, j'en peux plus. Comme Indy Lou? Tu connais pas la chanson de Indy Lou?
Non mais sérieusement. Comment on peut perdre à 17? J'ai l'impression qu'on va bosser dur. Faster cet après-midi. Stronger. Enfin, on a des personnes pour bosser, ils bossent pas. On a une AK à finir pour les... la commande des balas. Ils ont commandé une AK ? Oui. T'étais avec nous hier soir ou comment ça se passe ? Bah oui, mais j'avais pas entendu la casque, moi j'étais en train de vider le fourgon de drogue. C'est vrai qu'il faudrait qu'on aille faire de la drogue aussi. Ça fait longtemps que j'ai pas vendu de la drogue. Je sais même plus comment on fait. Moi je faisais qu'en van, donc du coup je sais pas comment ça se passe maintenant. En van ? Oui, il y a 6 ans je faisais ça en van. Ah oui, bah là non, c'est baisé. Tu peux essayer là, mais... Avec le réfé et Ellie, on avait fait en van. Comme ça, il y en avait deux qui se mettaient à l'usine derrière, si les flics se rapprochaient, on les mitraillait. Ouais, c'est pas mal ça comme technique. Tu ouvres les portes arrière et tu fais feu. C'est ça. Milou, il dit rien, mais je suis sûr qu'il est encore en train de faire des dingueries. Bah, j'ai pas battu mon record, j'ai fait exactement le même. Passer, je pense que passer 50, c'est beaucoup de chance aussi. Du placement. Mais y'a plus. Mais non. Putain, merde. Je vais. Pourquoi il peut pas manger la pomme avec sa queue? Ça va, Hannibal? Oh putain. Oh, nickel. Bah, si t'arrives à faire une marche. Y'a les drogues où? Oh, la chèvre à Vinewood, sur les étoiles. Je me change, je vais bosser un peu. Si ça se vide, je vais bouger une île. Mais pour le moment, ça part. J'ai pas les pistolets par contre. Je te file le mien si tu veux. Je prends un pistolet paralysant à la con. Y'en a un deuxième à la maison. J'ai des détresses. J'ai les pistolets derrière. Voilà, M4, je prends. Où est-ce qu'il y a de la drogue? C'est le tien, c'est l'appartement tout au fond de la piscine ou celui d'avant? Non, chez Mike. Bien. Par contre, qu'est-ce qu'ils foutent les waves? Combien faut en prendre, Max? Comme tu le sens, hein. 20, 30. Vous les notez dans la compta ou pas? Je suis pas sûr qu'on puisse le noter encore. Il y en a un qui fait dodo pour les thérapeutes. Mais noter que tu prends 20 et cannabis. Moi, j'ai pas noté. Qu'est-ce qu'ils foutent n'empêche les waves? Une bonne question. En parlant, on peut faire tomber les caisses. On est dans le sud. Si vous voulez lancer une caisse, on est dans le sud avec Hannibal. Il n'y avait personne à Corte? Je regarde. Peut-être commence à y avoir du monde. Je vais aller voir, je suis à côté.
pas partir de combien considère que t'es trafiquant. Regarde, je t'ai dit ça. Pour le moment, ce que je vois, c'est qu'il calcule entre 1 à 25 et supérieur à 25. Ah, donc c'est plutôt sur 25. Il a pas l'air d'aimer, parce que je trouve pas des clients. Il y a du monde, mais pas assez des promeneurs, je pense. Ah, des fois faut attendre, c'est une minute. Si tu viens d'arriver à un endroit qui a pas grand monde, t'attends un peu, les gens ils vont repérer que t'es là et puis leur sort des commandes. Sinon Vinewood ça tourne bien. Entre les deux, t'as université aussi. Non, y'a rien ici. Je vais à l'université. Je pense que c'est ça, Hannibal. Dès que t'es au-dessus de 25, t'es en délit majeur. C'est dommage, Cort, c'est les meilleurs endroits pour se casser. Avec l'escalier en bas là qui va dans la montagne, c'est une dinguerie. Mais sauf qu'il y a personne qui achète là-bas. T'as réussi à trouver du monde ? Ouais, des fois, normalement, Cort. Que le soleil soit bien levé, normalement ça commence. Hein. J'en viens de prendre le café. Bah là, c'était blindé des mondes, mais pas assez des promeneurs. Je voudrais être les mecs les plus malchanceux du monde, animal. Pourquoi? Y'a personne à l'université. Bah, ça devrait arriver. Les étudiants, c'est comme des chiens de là-bas. Quand ils sentent de la drogue, ils arrivent en courant.
Quand je te dis que j'ai pas de chance, c'est qu'il y a personne, personne à l'université. Je suis obligé de faire un snake en attendant. Équipe Snake, tout va bien? Oui, oui, j'ai checké la thune dans les apparts, j'ai préparé mon carnet pour la permanence et j'ai mon café, donc tout va bien, j'attends. La boss, tu devrais venir à Vine, c'est pas mal. Hein. La plage. Ah, faut que je mange. Je l'ai vu, ouais. Snake avant l'argent. Oh putain! Comment je vais faire? Y'a un client? Bah, je vais attendre. Attendez, on finit notre Snake, quoi. Y'a quoi, 22? On finit notre Snake vite fait. Pire, le client, il va se faire foutre. Hein. La vraie question, c'est le top Snake, ça restera. Des clients, il y en aura d'autres. On finit vite fait, hein. A mon avis, si Benson passe top 1 de Snake, la moitié de la ville arrête de jouer. Ouais, c'est possible. Ah, la personne, elle veut plus de drogue, c'est pas grave. On va retrouver une autre, il y a du monde là. Juste, on finit notre Snake quand même, parce qu'il faut pas décoller. Allez, concentre-toi, Alex, tu peux le faire. 63, t'es quatrième. En vrai, ça se fait. En vrai, pour l'instant, t'es pas trop mauvais par rapport aux autres. Parce que t'es quatrième, t'es dans le top 8. Oh putain, mais merde, mais c'est pas vrai! Mais c'est pas vrai! Chier, hein, priorité. Chéri? Écoute. T'as un 9 mini sur toi ou pas? Oui, celui derrière. Ok, faudra qu'on t'en rachète un à toi du coup. J'en ai deux. Je peux prendre Annie Gun à la porte. Oh, toi aussi, tu donnes des noms à tes armes. Let's go. 9 mini classique. Non, mais Annie, c'est l'étiquette. En fait, vous l'avez appelé le Annie Gun. Oh, Annie-Gun. Par contre, je sais pas ce qu'ils foutent les vagues. Je pense qu'ils sont dans le flou. Ou alors ils se sont couchés trop tard, ils arrivent pas à s'élever. T'es à 2h hier.
Bon, en tout cas, info de la Team Snake, Milo est toujours à 54 et Mike a déjà tabassé un mec et je l'ai fini en le plantant. Comment ça? Il fallait bien détendre ses nerfs. Vous avez trouvé les premiers mecs qui venaient, vous l'avez tabassé? Non. Vous avez frappé qui encore? Bon, un petit snake vite fait. Vite fait, vite fait, vite fait. Un mec était sur le banc. Vite fait. Fait. Vite fait, pas long. C'est juste le temps que. Ok? Pas pour long. J'ai un problème, je crois que je suis accro. Je pensais que c'est une addiction. Je suis accro. Vraiment. C'est un problème. Je pense qu'on est dans de l'addiction là. Est-ce qu'on a des experts addictologie s'il vous plaît? Moi je sais pas, je me sens bizarre. J'ai besoin de jouer au Snake. J'ai un besoin de... Je sais pas. Quelqu'un peut... On a quelqu'un qui est capable d'expliquer ce qu'on a les addictologues. Je pourrais vendre ma maison pour jouer au Snake là, je sais pas pourquoi. Je pourrais tout donner pour juste refaire une partie. Je pourrais tuer des gens. À donner des proches. Je sais pas si c'est normal ou pas, mais en fait, s'il y a des gens viennent armés pour m'enlever, je m'en bats les couilles. Ils attendent. Le chef des vagues est réveillé. Arrive pour restock. Pour le cannibale a vendu 35 pochons, j'en ai vendu un. C'est le snake aussi. Hein. Je me dis que je dois y arriver. Tu sais, je me dis que je peux être top 1. Et pour être top 1, faut tryhard. Tu vois ce que je veux dire? Tu veux être le meilleur, faut s'entraîner. Et là, j'aimerais être le meilleur. Je suis dans cette expectative où je suis pas sûr de vouloir partir en week-end avec ma famille, mes proches. Même si je live pas, je pense que je vais m'entraîner au Snake encore, encore et encore. On va les couilles hein, si on trouve bonjour, un client. On n'a pas besoin d'argent. Oui, bonjour. Yo. Oh. Et bien c'est lancé. Allez, on croit en toi, gros. Oh là là, oh là là. Je m'en fous s'il y a un vendeur, gros. Je te le dis. Mon but, c'est tenter de monter, de gravir l'échelle de l'e-sport du Snake. Well. Je peux pas te répondre, mec. Je peux pas te répondre, Mike. Des raisons de sécurité évidentes. Soit il est sur Snake, soit ça pue. Je l'appelle. Et franchement, je vais divorcer. Je vais divorcer. Oui, allô? Je vais divorcer. Je vais divorcer des merdes. Je ne peux plus arrêter de m'appeler. Je vais faire... Répondu, mais... Sauf que quand tu réponds pas, on a l'impression de t'en faire à l'hôpital. Mais sauf que... bordel de merde. Non! Niquez-vous! J'étais presque. Y'a Diouf qui m'a envoyé un message pour me dire qu'aujourd'hui il y a 500 de cocaïne à 90 unités livrables et 300 de mètres à 110 unités. Putain, il nous faut moins cher les. Malas.
Je l'appelle et j'arrive. Allô, monsieur Miguel. Signor Jouf, comment ça va? Très bien, vous-même. Impeccable, j'ai failli être premier au snack. Ah oh, ouais, j'ai vu ça, hein, solide. Hein. Ouais, j'essaie de suivre sous les appuis, mais comme tout le monde m'appelle, j'arrive pas à faire les... Ah, c'est dur, hein, ça déconcentre. Ça déconcentre. Vous étiez en pleine partie des snakes, peut-être? Non, justement, non. Là, j'ai essayé, mais j'ai arrêté, ça m'a fatigué avec la weed et tout, c'est beaucoup plus dur. J'imagine. Ouais. Mike me disait qu'il vous proposait 500 de cocaïne à 90. C'est ça. Et de la mettre à 110. C'est ça. Mal et impeccable. Et on va la... Je pense qu'on va prendre les deux. Et... Ok. Parce que hier, les balas m'ont fait un prix avantageux. Ah ouais, vous en faites quoi? $75 la cocaïne. Ah ouais, c'est très très avantageux. C'est pas très cher. Oh, on veut dire, normalement, nous, on l'a fourni aux autres groupes à 110. T'imagines, attendez. Bonjour madame, vous voulez des cannabis? Attendez. Impeccable. Bah, dès que vous savez bien. À bientôt. Oui, bah, excusez-moi. Vous êtes en train de vendre des pochons là? Non, pas du tout. C'est pas ce que vous croyez. J'adore. Bon. Oui. Je suis multi-business en ce moment, vous savez. Ah, mais c'est formidable ça. J'essaye d'étoffer une espèce de... Voilà. Donc il faut que j'ai montré l'exemple aussi. Je pense qu'on va tout vous prendre. La cocaïne et la méthamphétamine. Bah, dans quelle heure ça vous arrange une livraison? D'ici une demi-heure. Ok, on se prévoit ça pour 15h si vous voulez. Allez, 15h. Il y en a pour combien? Je vous fais le calcul et je vous envoie ça par message. Allez, super, à tout de suite. À tout à l'heure. J'ai validé qu'on prend 90 les cocaïnes et 110 les méthamphétamines. Il m'envoie les totales et on va prendre ça. Ok? Je l'ai goûté. Ah bah moi. Tu te brosses les dents? Ouais, j'ai un casque spécial brosse à dents. On a élevé à combien la weed chez les Balas? D'accord. 45. En vrai, si on pouvait vendre Cocorts, t'as quelqu'un qui peut faire les chouffes depuis la maison. On a lancé des caisses pour les vagues, ils sont que deux aujourd'hui, pour le moment. Ça serait un peu plus long, mais ça permet quand même de les faire. Nous, il faut au moins qu'on ait deux personnes qui... Fasse les... Comment ça s'appelle? Les drogues? Et là j'attends les montants, la supérette et des... Pour savoir combien j'y retire pour Jouf, il livre dans une heure. Ça marche. ...80-68 parking rouge. 500 cocaïne, 300 mètres, $78 000 pour 15 heures. Ah oui, donc même pas tu préviens. Attention, c'est moi qui arrive. Bah, radio. On a quasiment plus de stock chez nous. Le stock de drogue. Ça marche, relance. Tiens Milo, on va aller bosser. Marché. Il y a
J'ai acheté et 500 cannabis et 300 émettes. J'ai acheté 500 cannabis, 300 émettes et... animal. Du cannabis. 500 cocaïne, 300 émettes. Ok. Faut vraiment que les stockages soient à jour, qu'on puisse avoir des visus. Si je suis les stockages, on est censé avoir 500 000 des argent sale. Ouais, ça c'est bon normalement. Ça j'ai vérifié ses coudes, ouais. Moi j'appelle les Lost alors. On a accès à tous les appartements ou pas? Normalement ouais. Oui. Il y a Milo, il y en a dans le jeu de Milo, Mike et le nôtre. Sinon, vous êtes au taquet pour bosser là? À lancer. Alors, retirer. Les autres appartements, c'est lesquels? Mac est toujours en éveil, il éclate les pots de fer. Il les met tout au pot de fer. Un de Milo, un de Milo, 03. Je récupère l'argent partout. Marlo 8. Chimilo, t'as bien 62 650, j'ai vérifié tout à l'heure. Secondes. Tu sais qu'on peut appeler chez Lost? À cette heure-là, jamais on voit Taylor. Il dort. Bobby, Jimmy. 15. Après, généralement, les Lost, ils le font le soir. Bon, je mets tout à la maison si on arrive à voir les Vagos entre temps, mais je mets tout à la maison.
côté de 2059. J'envoie à qui la pose. Pour moi. Rappel, on a une livraison qui arrive à 15h. C'est bien reçu? Ouais, bien reçu, merci. Ah, ici, comment ça va? Ice, tu m'entends? Allô? Oui, tu m'entends? Je t'entends pas si tu parles. Tu m'entends, Ice? Oui. Impeccable. 500 000, même chemin? Compliqué là. Compliqué? Va falloir payer le boss, du coup, compliqué. Ah oui, t'auras pas le temps de. Si tu veux payer les boss, t'as pas le temps de faire le même chemin. Okay. Je sais pas combien il veut, du coup, tant pis. J'ai aucune idée. Je pense qu'il va peut-être demander. Il m'a dit 1 million. 1 million, il t'a dit? Ah! Tu peux bien cher combien? 200? 300 si tu veux. 300? Ouais. Et... Mais non. Je suis en garde à vue là. Je te rappelle quand je suis. Ah! Bon, et ben à tout à l'heure. Et alors il est en garde à vue. Il discute avec moi tranquillement de combien va blanchir en garde à vue. Allez, vite fait. Y'a pas de raison, personne y bosse. Milo, il a pas bougé du téléphone. Y'a qu'Hannibal qui va. Tu m'as demandé de sortir Catardo, j'ai essayé de sortir Catardo. Non, mais. Bah, non, mais. Une fois, je bois un coup. Ah, je vais me changer déjà. Mike, t'arrives pas à rentrer dans les tops. Mike ? Ouais, désolé, j'étais dans ma tête. Tu me dis aussi. T'arrives pas à rentrer dans les tops ? Alors, il y a une partie où j'étais bien parti, mais j'ai dû donner la position aux Waves. Ah merde. J'ai fait 45 en record. Je vais récupérer. Je relance. Des fois, en fait, j'ai fait 14 passages pour une boule. Et des fois, j'en récupère 4 d'affilée. Et c'est relancé. Ouais. Bon, c'est pareil. Après, il y a un petit moment de satisfaction quand t'as deux boules d'affilée sur la même ligne. Ma femme dit la même. Les boules alignées ? Ouais. Deux boules sur la même ligne. Ça dépend de la gravité. Prends des risques, Miguel. Les moments où tu sais pas pourquoi, à 42, tu prends des risques connement, alors que tu sais que c'est le moment où il faut être solide sur les appuis. Mais non. Il y a des fois où tu... Voilà.
C'est pas l'explication exacte. Et tu vois, tu tournes en rond comme un con, dans un désert, pour essayer de choper les moindres petites boules de merde de ces jeux de crottes. Oh, oh Miguel, qu'est-ce qui s'est passé? Aucune idée. Aucune idée, Miguel. Et tu vois, j'ai commencé à parler de moi à la troisième personne. Ça, c'est quand même un syndrome que c'est la merde. Ah ouais? Ouais. Non! Mais niquez-toi! Putain, téléphone de merde. C'est le téléphone qui je suis pas. C'est à cause du téléphone, ça. C'est toujours sûr. La faute du téléphone, de toute façon. C'est le téléphone. C'est certain. Je te le dis, c'est le téléphone. Comment se passent les ventes, animal? Moyen, là. Je suis à Mirror Park. Elle va sortir du top 5. Toujours quatrième. On pourrait dire troisième techniquement parce que les deuxième et troisième sont ex-aequo. Je me dis que les pauvres animaux travaillent tout seuls et en même temps j'ai bon, tant pis. Allez, dans deux jours on n'en parlait plus. Tourne un peu à Mirror, ce que je veux dire. J'arrive sur route. Ah oui. Je vais me mettre en route après dans ma tête. Oui. Oui. Ah t'es à fond là. J'ai termine juste un dossier. Oui. C'est pas un dossier qui parle de serpent? Si, on disait. Bah, t'as toujours été passionné de biologie. Biologie. Les kékettes et les serpents. Oui. Bah y'a un lien, hein, ça a la même forme. Hein. Les phalliques. Les zizi pimpin. 30 secondes. On a une livraison des drogues dans 20 minutes. Ouais. Faudrait répartir un peu les appartements. 15. D'ailleurs, c'est normal. Dans nos appartements, c'est normal qu'il y ait à manger mais pas à boire. C'est dans la malle. Ah, d'accord. Je suis rentré dans le top. Ah, c'est bien ça, Mike. Combien? 51. Je suis 7ème, j'ai fait 51. Ouais. C'est bien ça, Mike. Je suis derrière moi. Question des principes et j'ai un peu des manos partout. 81, voilà, 20. Hein. Les canaux. Sur les démineurs, on est nul. Il faudrait que. C'est juste que nous, on n'a pas l'habitude de déminer, on a l'habitude de miner. Oui. Ils ont entendu ou ils ont pas entendu? Ils ont entendu. Ils disent pas quand ils ont entendu. Hier, ils disaient donc. Bien reçu, il est dessus. Ah, voilà. Ça va bien. J'ai mal à la main. Ouais, j'imagine. Tu spammes la radio comme ça. Ouais, tant qu'elle est pas. Ça va bien. Ça marche, je relance. On a une livraison des drogues dans 20 minutes, et Hannibal. Il faut qu'on voit comment on arrive à ranger les appartements. Je suis sur les dossiers appartements là.
j'arrive plus à fermer mon téléphone. Et c'est relancé. Donc j'ai utilisé le clapet. Moi aussi j'arrive plus à le fermer. Faut que vous utilisiez le même clapet que pour l'ouvrir. Mais c'est chiant. Yo radio. Yo Pablo. Yo Pablo. Dites pas à Pablo qu'on venait sur le snake. Encore que... Dites qu'on travaille un dossier. Même à tout le monde. Je pense qu'il va essayer une fois, ouais, ouais, ça fait la même. Il va raccrocher. Ah, il est hors dessus. Qu'est-ce que tu fais des beaux, Pablo? De quoi? Tu fais quoi des beaux? Bah j'étais avec le banquier là. Ah, qu'est-ce qu'il dit? Bah les comptes se portent bien, il se posait la question pourquoi 2 millions étaient partis hier. Ah oui. Ah. Du coup il fallait que je lui explique. Et les Vagos, j'ai eu les Vagos pour blanchiment. Et ouais. Il est actuellement en garde à vue, il rappelle. Ok, ça marche. Et non, en fait, un snake. C'est validé. Oui, oui un snake, ouais, ouais, un snake. Et c'est validé pour les Benson. Ok. Il veut juste 1 million. Par, okay. Apparemment 1 million pour les Vagos, 1 million pour les... Voilà. Il y a une Sugoi en vente. Ouais, mais c'est par système d'enchères. Oh. Système d'enchères. Putain, ça m'a fait perdre au snake. Bah, l'offre la plus haute, quoi. Et où ça Sugoi que je vois à quoi ça ressemble? Elle est déjà à 300 000. C'est de la balle. Voiture de Little Soul. C'est une 4 places. Les mecs et gouverneur, il fait un système d'enchères. Quelle espèce de sac à merde. Donc, j'ai acheté auprès des verts. Ah oui, si, donc pour les blanchiments, Aïs il dit qu'il peut pas trop faire parce qu'il faut qu'il paye. Comment ça s'appelle Benson, et il pourra plus blanchir. Donc il dit si je laisse trop dans mes machines, c'est la merde. Voilà. Et j'ai acheté de la drogue auprès des Diouf. Il nous ramène 500 de cocaïne, 300 de méthamphétamine. Ok. À 90, donc plus cher que les balas, mais bon. Soit, t'es 90 et 110. Voilà, il faut ranger les côtés. Et j'ai ramené tous les sous directement dans les. À la maison. Ok. Il y a 500 000 à blanchir. Donc on fait un max par Taylor. Ça me perturbe de... Je peux plus fermer mon téléphone comme je veux. Ça patrouille tout seul. Ouais non, faut que tu le fermes comme ouais. Tu l'ouvres. Que ça patrouille tout seul. Merde. On t'a fait un débrief de... Hier soir ou pas? Ah, c'est malin, il me dit je peux t'appeler. Il sait que quand t'appelles quelqu'un qui fait un steak, ça se passe pas bien. Oui, Aïs, dis-moi. C'est bon, je suis sorti. Ok, impeccable. Et veux blanchir tout de suite. Et oui, on peut blanchir tout de suite. Et donc je dis 300 000 ou 200 000 et c'est... Faut pas que tu sois dans la sauce si après tu peux plus payer Benson. Non, c'est justement, si je te dis 300 000, c'est que je peux payer encore après Benson. Ok. On peut faire 300 000. Bah allez, j'arrive. Allez, pas de soucis, j'ai préparé les 300 000 en salle. Ça marche. A tout de suite. Impeccable, un blanchiment qui arrive. Ok, nickel. Les Vagos. On t'a fait un débrief d'hier soir ou pas? C'est pas là hier soir? Non, j'étais pas là. Si? Bah jusqu'à 2h non. Ah oui, si, non. Et ma femme a dit qu'ils ont fait 27. Ouais, ils ont fait 27, ils ont arrêté à 2h. Mmh. Ils ont posé des questions. Que les chefs et pipou. Ouais. Et moi, tant qu'ils bossent bien et qu'ils ferment leur gueule. C'est le matin. S'il y a quelqu'un, ils peuvent. Alors pour bosser le matin, ils étaient pas là à 13h, donc à voir s'ils peuvent bosser le matin après, mais... Là, pour l'instant, ils sont que deux. Ok. Et ils bossent là pour ou... le week-end. Oh, ils bossent. C'était pour le week-end qu'ils demandaient pour le matin, je crois. Moi, je pense que le matin, on devrait se le garder pour nous. Oui, moi, tant qu'ils bossent et qu'ils ferment leur gueule, tout va bien. En vrai, si on n'a pas de commandes, on s'en fout, tu vois. Si on a des commandes, faut qu'on se réserve des créneaux. Et... D'ailleurs, en parlant de la commande, c'est good. Il manque que la carte, mais on n'était pas assez nombreux. Là, on va être assez nombreux pour envisager un créneau, leur dire qu'il faut une pause 5 minutes. Et nous, on va faire notre livraison en cas. Yes. Et après, il faut livrer des balas. Mais comment ça? Mais tourne, espèce de pute! 30 secondes. Mais qui est tardo, 63. Putain. Quoi? Miguel? 5ème. Ah ouais, d'accord. J'ai pas le temps, je veux 3 manos dedans. Attends, j'arrive. 15. Donc, on a... déjà pas bouffé la première pomme. On a une livraison des...
Eh, tu crois que c'est facile, mais comment j'ai réussi à perdre à 10? On a une livraison de drogue à 15h. Después, on peut faire la K. 125. Et livrer les balles au besoin. Par contre, de ce fait-là, et Hannibal, il bosse tout seul. J'ai un zélé qui veut faire un contrôle alors qu'elle est toute seule. Il veut te contrôler pour quel motif? Ouais, me faire un contrôle comme ça. Et où? 70-90. Ah, apparemment, je fais des wheeling. Tu lui dis, monsieur, c'est être méchant avec vous, est-ce que vous savez que j'appartiens à un gang? Ouais, joue là comme ça pour voir. Pour des roues arrière, il se fait contrôler. En 70-90. C'est loin 70-90? C'est la Pacifique. Game over. Comment ça game over? Tu manges ta queue, c'est game over. J'ai de merde. Qui c'est qui klaxonne devant? Je sais pas. Qui c'est qui est rentré sans demander? C'est Diouf. C'est Diouf. Ah, non, c'est ah putain si, non c'est bon. C'est les 300 000. Ah. Faut aller chercher les sous. La maison tout ça. Oui, j'ai oublié de dire. Flynn, c'est toi? Oui. Impeccable, je peux pas lever la tête. J'essaye au moins revenir dans les top 3, putain. J'ai pas pu jouer pour des demi-heures. Pourquoi t'étais au poste? Course poursuite. Je roulais trop vite, 250-90. Merde, des bites! Des fois j'y arrive bien, des fois c'est la merde. Bah allez. Et les sous arrivent. Moi je voudrais sous. Comment c'est pas ça, Hannibal? Ça se passe. Ils t'en mettent encore, les machins policiers? Ah, il m'embête pas, elle est gentille. Il est tout seul en plus dans son véhicule, il a pas de collègue. Il me fait de la peine. Et tu veux qu'il monte avec lui, il fait la patrouille? C'est relancé. Nickel. Bon pour vous? Yes. Impeccable! Bah allez, merci à toi, et tu me tiens au courant dès que vous avez échangé avec Diouf. Et comme ça, tu regardes tranquillement et on envisagera, tu me dis ce que tu peux mettre des côtés en cocaïne et en méthamphétamine pour nous. Cocaïne et méth, ok. C'est ce qui nous intéresse les plus. Maintenant, on peut trouver, je pense, un prix intéressant. Ouais, comme dit, je regarde comment ça fonctionne. Le but, c'est que tu bouffes, mais que nous, on puisse faire une marge. Allez. Ça marche. Super. Pas de soucis. Merci à toi. Ah, c'est bon, je décroche. J'ai 10 minutes vite fait, attendez. Je sais pas s'il sait qu'il faut les tenues Azmat. Oh. Peut-être lui dire. On saura bien assez tôt. Hein. J'arrive là. Mike, tu vas pas tarder à plus être visible. Bah ouais, c'est pour ça que là je tryhard. Je crois que Pablo il a complètement arrêté. Ah quoi, non, je gère la compta et après je m'en mets. J'ai pas entendu Hannibal, tu disais. Ils l'ont fait à combien de pourcents? On tombe bander un peu là. Et je sais pas. Et je lui ai dit sur 300 000. Il nous a fait 270. Ouais, sur 300. Donc ça fait 10%. 10? Oui, non. 300 000, 10% des 300 000, ça fait 30 000, c'est ouais, ça. Ouais, c'est ça. Bah oui, c'est ça. Ok, beau. Hop. Ok, bon, je garde ça de côté. Mais comment? C'est... Je suis fatigué. Merde. Là, vous allez avoir de quoi vendre de la drogue, je vous dis.
Kim. Oui, Hannibal. J'essaie de trouver l'endroit où c'est marqué qu'ils peuvent pas faire de contrôle s'ils sont pas deux. S'il te plaît. Je cherche ça. Parce qu'il me semble qu'il y a un délire dans ce genre là. Ce serait en débile de dire. Ils pourraient pas de contrôle s'ils sont pas deux, c'est-à-dire qu'ils pourraient pas bosser si jamais ils. C'est débile ça. Bah ouais, c'est con. Putain de merde. J'étais hyper concentré au début. Game et là j'y arrive pas. Vas-y, putain. Catardo, 63. Je suis à un point 57. Alors, j'ai le... la pomme, elle est pas dans le carré. Ah, faut que tu recommences. Ah. Combien ? 51. Mais toi aussi, tu restes bloqué sur ton e-score ? Ça va trop vite hein, quand tu passes les 50. Quel après-midi de flic ça va être. C'est ouf. Vous avez bien bossé, vous avez bien vendu de la drogue. Oui, oui. Je t'ai dit, c'est bien, on a bien fait des prendre un prestataire extérieur. C'était pas pour les guerres en fait, c'était pour, c'était le, pour snake. Le snake, mais bien sûr. Le snake aussi, chérie. Non, non, moi je suis dans les articles de loi. Je cherche un truc pour Hannibal. Moi je pense qu'il a fumé sa loi. Mais dans ce que j'ai lu, j'ai pas vu cet article. Non mais ce serait débile s'ils sont, enfin, sinon ils pourraient pas bosser en fait. Bah ils sont moins en sécurité quoi, mais c'est tout. En fait ouais, je pense que c'est juste une notion de sécu plutôt que de loi. Allez, 40. 15. Vinewood. Tu sais le moment où tu passes à côté de la pomme 10 fois? Ouais, oui. Avec ses casse-couilles. Où tu t'énerves? C'est là où on va s'énerver en fait, c'est là où tu fais de la merde. Oh! Miguel! Tu es fou, t'as perdu. Rien dans le code pénal. Ouais. Merde! Allez, 50. Bon, je jouerai quand je serai un peu mieux réveillé. Oh, j'ai battu mon repas. On arrive dans quelques minutes, ok, rentrée direct. Ah, 57. Mouziouf arrive, avec la dope. Pour le moment, Hannibal, rien dans la procédure pénale ni code pénal. Je pense que c'est plus okay. Une notion de sécu que vraiment une loi sur le coup, parce que bah, si le mec il est solo contre 4 bonhommes, bah, il se visillait quoi. Ah, j'ai pas tout imprimé, il faut que j'imprime tout. Pour bien le mettre dans mon téléphone pour avoir tout sous les yeux. On est 4 ex-aequo. 57 000 euros. Oh putain! Quel temps de merde! Quelqu'un peut dire à Hannibal que la drogue arrive? Récupérer. La drogue arrive, Hannibal. Ça marche, je relance. Des fois ils tournaient pas ces putains des serpents.
mais sérieusement. Je viens de voir sur la nouvelle carte d'identité, il y a l'adresse maintenant. Comment ça, il y a l'adresse? Ah ouais? Ouais. Ah, ça, c'est chiant la vie, par contre. Ça, par contre, si à l'adresse, c'est la merde. Bah, pour Jade, oui. Ouais, sur les cartes d'identité, Fichier pour la grosse merde, là. Pas de... Ouais. Faut vraiment que Jade. Bah, en fait, t'es obligé de. T'as plus de. Ouais, je sais pas. Ah, mais j'avais pas vu ça. Ça n'empêche pas qu'il faut il faut qu'il contrôle sa carte. Ouais. Ah mais il contrôle facilement l'identité. Après au pire, dès qu'il contrôle pièce d'identité, bah tu changes d'appart. Tu déménages ? Ou alors tu présentes le permis il n'y a pas l'adresse. Ouais c'est ça, il contrôle rarement l'identité, il contrôle le permis. Ouais bah t'inquiète pas que là ils vont la contrôler ton identité. Hein. Et pour n'importe quoi. Hein. Quand les flics t'arrêtent, c'est l'identité hein, qui demande. Tu dis que t'as oublié ta carte et tu demandes si le permis ça passe. Là pour un simple contrôle de courtoisie, ils vont te prendre ta carte d'identité hein, donc va falloir jouer dessus, hein. C'est mort. La mort en 10 secondes. Merde, c'est moi qui les souffle. Ouais, et bonjour, je suis en pleine partie aussi. Seigneur Liouf, comment ça va? Très bien vous-même. Bah c'est la merde. Allez, non j'arrête les snacks, non mais c'est bon. C'est dur hein. J'arrive pas à faire mieux. C'est très très dur, je sais pas comment vous avez fait d'ailleurs. Et j'ai fait, Milo vient de faire et 57, un des plus. Ah bah là la compétition est rude hein, dans toute la ville. Hein. Je pense que la plupart des gens vont passer les 3 prochains jours dessus. Je pense aussi. Et je crois que le 57 est un palier à passer parce qu'on est 4 à avoir fait ça. Voilà pour vous, Seigneur Diouf. Impeccable. C'est ouvert. Oui, pardon, hier les ballasts nous ont fait un prix bas, très bas. J'ai trouvé ça même bas. Ouais c'est bizarre. Normalement, nous, comment on fonctionne, on a deux tarifs. On a un tarif pour ceux qui viennent le rechercher chez nous, qui est inférieur, et un tarif général. Mais ça ressemble plus au tarif pour les petites mains, ce qu'ils ont fait. Oui, parce que là, les cocaïnes, j'ai payé 75$ à l'unité. Ouais, c'est pas cher. Et les cannabis, 45$. Ah bah, c'est vraiment pas cher. Ouais, c'est ça, c'est les tarifs proches de ce qu'on fait aux petites mains. Parce que les petites mains, justement, comme ils ont pas trop de thunes, on leur fait des tarifs bien avantageux. Mais on les oblige via le blanchiment à venir blanchir chez nous. Ce qui me paraît normal. Eh oui. Et du coup, voilà. Ok. Tout va bien pour vous? Impeccable. J'ai une réponse de M. Benson. Ah, Ice m'a dit qu'il est eu Benson et que Benson est d'accord tant que ça paye. C'est ça. C'est exactement comme ça qu'on l'avait prévu. Exactement. Du coup, ouais, faudra aller tout le monde va payer et un gros chèque, mais. Et puis l'espoir c'est, vous avez ce que vous voulez, les accords commerciaux fonctionnent bien, et en plus, vous gagnez des clients. Exactement, j'ai hâte de voir comment ça va tourner. C'est surtout que nous on va vous amener entre 300 et 500 000 par jour. Ça marche. Faudra que vous prévoyez de la liquidité. Bien sûr, mais c'est ce qu'on va devoir faire, hein. Là on va charbonner fort pour avoir un maximum de liquidité et pouvoir assumer les blanchiments de manière régulière. Mais ça va le faire, on n'a pas peur de ça. On a prévu d'ailleurs pour votre groupe de vous faire certainement 15%. 15%. Ouais. Vous serez le tarif le plus avantageux et je vous cache pas que les vagos sont vraiment bon tarif. Dedans. D'accord. Et pour les autres groupes, on verra certainement dans les 25 pour commencer. Actuellement, ce que j'ai payé chez Teller et Vago, c'est 10%. Mais 15, pourquoi pas? Il faut que ça tout le monde s'en sorte. C'est vide. Mais après, vous savez, ce sera évolutif. Hein. On sera évolutif, c'est pas un souci. Moi, ce qui m'intéresse plus, c'est pas les taux, les pourcentages, bien sûr, mais la liquidité. Si j'ai l'assurance que je peux vous donner en exclusivité entre 3 et 500 000 tous les jours, tout va bien. Oui, c'est surtout ça, c'est les volumes qui m'intéressent. Bien sûr, mais comme on a prévu ça avec cet accord, il y aura un volume qui vous sera dédié tous les jours. Allez, souci. Bah, allez, impeccable. Merci à vous. Je vous en prie, bonne journée. Bonne journée. Bonne journée. 15. Non mais gratuit. Mais non mais c'est... Excuse-moi pardon. Je peux pas rendre parce que j'ai la bête. C'est un peu violent ça. Non, je vais passer à la banque vitrée, je vais poser... Je t'amène. Ah bon on y va que je joue alors. Vous avez besoin de backup ou ça va aller? Non, à deux ça va. Ça doit aller. Comme ça, je fais le remboursement aussi de la compta.
Ils étaient là dès 13h les waves? Non. 14h30. Ah mais d'un côté c'est peut-être pas plus mal aussi tu vois. Là ils sont que deux je crois pour travailler. Un peu long mais ils bossent. Oh pas tant que ça bosse tu vois. Hier ils étaient là jusqu'à 2h. Et ils étaient encore 6 je crois. Un peu 6. On a suffisamment des drogues pour tous les week-ends. C'est Pablo. Merci Pablo. Merci Pablo. T'avais des spots en plus ou pas? Ce que je me dis, c'est que si on n'a pas des spots plus ou neige, ça va être la merde, non? Cet hiver? Ouais, ça risque d'être compliqué, mais je suis sûr qu'il y en a. Faut juste les trouver. Pablo, faut qu'on regarde au niveau de la caisse noire si tu veux que j'étais viré des sous pour ce week-end. Attends, tu vas conduire. C'est super dur. Bon bah non, game over. Ah oui. Oui, vas-y, tenté. Qu'est-ce que je vais vous dire? Attends, je regarde juste la caisse noire. J'ai un million en moi. Donc, est-ce qu'il y a besoin que je te remette? Il y a 900 000. T'en veux un plus pour ce week-end ou pas? Bah, je veux bien. Si tu veux, ouais. Oui, si, ouais. S'il y a des commandes. Je t'ai viré toute la caisse noire. Ouais, ça marche. Alors attends. On occupe.
Hop, ce qui fait qu'il était à 2 234 000. Et moi, ma caisse noire est à 0. Ouais. Bah, ce qu'on fera sinon, c'est que au paiement de, des balas, c'est les 60%, on y mettra chez toi. Ouais. C'est pas un souci. Si, si, si ça permet d'avoir des sous pendant les week-ends. Ouais, bon, si jamais il y a des commandes, même si. Il faudrait qu'on fasse une AK. Ouais, bon, on va aller la faire. Ah, j'aurais dû garder 250 000. Faut d'abord voir si les balas sont là. Ah. Oh, après ça empêche pas de la faire. Non, faudrait la faire. Ah, j'ai envie d'appeler une CP, elle a duré 5 secondes. Hannibal, on va faire l'AK. Vas-y, j'arrive. J'ai toujours pas récupéré la caisse pour le moment. C'est moi qui conduis là? Non? Mais merde! Ah ouais. Reste au volant? Oui, de toute façon, je vais perdre. Je peux avoir la pause de la dernière caisse, Lina répond plus. Ah. J'envoie ça à qui? Yoi. Ah, c'est le chef Yoi, non? C'est pas Yoi, le chef? Et c'est ce qu'il veut dire. Ah ouais? J'ai compris I. Bon, ça I. Bah, je sais pas, j'ai juste entendu I. Donc. Pablo, je sais pas comment il m'a conduite comme elle est, mais. C'est pas facile de faire des. Ah ouais, parce que j'imagine que quand tu tournes le volant, le serpent il suit, non? Non, pas du tout. Non? Oh, ok. Ça peut pas être facile. Non. En termes de coordination, c'est l'enfer. Bon, je suis à 9 pommes de mort. J'ai perdu. En termes de coordination, c'est l'enfer. Ah, y en a, ils ont fait des scores de foule en plus. 65! Non mais sérieusement... On est dessus là. Ouais, s'il était au sud, il arrivera jamais à temps pour la mort. Charge avec Uzi. De quoi? Charge à l'Uzi. Oui. Bah oui, oui. On va faire une AK. Moi je vais me changer. Moi je termine un truc et j'y vais aussi. Bah moi j'attends de voir la caisse. Ils ont pas le temps les joueurs. Entre nous, déjà 65. J'étais tellement fier de mon 56. Ils n'ont pas le temps. 65. Ils ont pas le temps les joueurs en vrai hein. J'arrive plus à me concentrer comme tout à l'heure. Tout à l'heure je faisais des trucs de ouf. L'as récupéré ou pas? J'ai pas reçu la pause moi. Tu m'as bien dit Teddy? Ah non, Yoi. Ah pardon, bon c'est pas grave. De toute façon pour le moment mettez-vous en stand-by et on vous redit quand est-ce que on relance. Ça marche. Ah des fois t'as une pomme, t'arrives pas à la voir quoi.
sérieusement. Il passe 3 ans sur une pomme. Il faut attendre devant la porte pour un snake. Non. Bon, réfléchis. On va se mettre au nord. J'ai conduit la voiture spéciale EAK. On va sortir le 4x4. Ah bah j'ai... Ok, je range la Voltaire. Parce que ce que je me dis, c'est qu'ici on a besoin la Voltaire, elle ira pas sur les montagnes. Sur celle-là, on se concentre, les enfants, on fera du snake après. De toute façon, j'arrête le snake pour aujourd'hui. On sait. Deux, deux. Mike, vous êtes ensemble ? On fait une troisième voiture, les gars, on fait une troisième voiture. Cannibal, on va au nord. Ok, on fait une voiture Kim et... Milo. Milo. Et nous, on sera là, AK, au milieu. Vous avez 10 minutes de répit, des pauses, le temps qu'on termine quelque chose et on vous renvoie à une livraison. Ça marche. Combien de temps, Pablo ? Bah, 4 minutes, à peu près. 4 minutes, je peux tenter un record au snake. Vite fait. Soixante-cinq. Ça va être chaud. Pour l'instant, je suis quoi ? Top 8 ! Mais niquez-vous ! En tout cas, les vagues ont l'air de bien bosser. Ouais. Ah ouais, c'est bien. C'est bien. Hier, dans leur façon de parler, je disais que c'était un peu les mini-manos. Que j'ai l'impression que c'est ceux qui se rapprochent le plus de nos valeurs. S'il faut, on les aidera à les armer tranquillement. On fera des remises. Ouais, carrément. C'est vraiment tendu. J'ai l'impression d'avoir un problème d'addiction, et Pablo. Bah, ça, à mon avis, comme beaucoup. Au snake. Tu vois, c'est à la carte, mon addiction. Je trouve que dans l'addiction, elle est moins chiante. Ah bah oui. Mmh. Oh.
C'était la police ou c'était nous? Non, non, c'était... Ça avait l'air d'être une sugoi, mais... Combien de temps? Aucune idée. J'ai pas mis de chrono. Trente secondes. Tant pis. Je vais y arriver. Je serai dans le top, je te l'ai dit par là. Bon, j'y arriverai aussi. Hein. 15. Bon, je vais avoir du temps là, faire la plante verte avec une Daka dans la villa. Alors, par contre, il faut qu'on arrive à dispatcher, que tout le monde aille bosser, vendre un peu des drogues ou des caisses ou quelque chose quoi. Je le dis, la drogue, je vais pas y toucher. Hein. À droite, sud. Oh là, le boom. 93-78 sur la plage au sud-est. 2 km 3. Pas pour nous. Oui, mais j'ai rien dit quand même. Ah, ça c'était pour nous par contre. Tu vas appeler les chefs des ballasts, savoir s'ils sont là pour la livraison. Ouais, ouais. Et s'ils sont là, tu dis qu'il faut, faut le dire comme il... comme il doit. Putain, merde. Ouais, bon, pas déjà. Nicolas ? Ouais, j'appelle Bruce. Et je sens les brousses, il va te dire, non mais j'ai pas l'argent moi. C'est que Nicolas. Ah bon, pas non plus. Ouais, Ice. La caisse 20-50, c'est toi? Caisse en 20-50? Non. À côté de point G? À côté des points G, on a rien en cours. Attends, Pablo, on a un truc en cours? Faut savoir si je récupère ou je récupère pas. Non, non. C'est pas. Je te la rachète 2000. Tu me la rachètes 2000? 2000 la caisse. Je la récupère. Tu vois si tu veux la prendre ou pas. Je te rachète 2000. Je rachète des caisses aux wagons maintenant. Nickel. Pour information, on est tué. Une caisse en 20-50 point G. J'ai, les wagons, s'ils l'ont vu, j'ai dit que je la paye. Ah. Il m'a dit ça à toi. Je dis non, mais par contre, je te la paye 2000. J'ai récupéré. Nickel. Ok. Ça peut passer. Je vous rappelle qu'il y a n'importe quel groupe qui vous appelle pour vous dire ces choses-là, vous achetez. C'est pas un souci, mais pas gratuit. Sinon Benson il nous défonce. Mmh. Olé. Et oui.
Dans le cas où quelqu'un voudrait vous faire quelque chose de gratuit, ça pue. Dis-toi qu'à un moment donné, si c'est gratuit, c'est qu'il te baise. Dis donc, je suis au taquet aujourd'hui. Ouais, je vois ça. Passe. Relais. Va grand derrière. Ah ouais. Ouais, ouais. Bon, bah, ça c'est fait. Dès que vous pourrez vous les livrer. Ouais. Mais qui peut être mieux. Oui. Il y avait 4 plus visibles. Ah, c'est à nous ça. Ouais, ouais, le pare-choc avant a resté sur l'arbre. C'est qu'hier on était en train de se dire qu'on va limite gagner plus d'argent que si c'est nous qui bossons. Bien sûr. Et les gars s'occupent aussi avec de la drogue, du jeu, du pédage des bouches. J'essaie de voir un concept pour des jeux. Ça serait pas mal. Le problème, c'est qui va venir dépenser les sous. Ah, bah. Après, la question, c'est soit on axe sur une sorte de clientèle, tu vois, ou est-ce qu'on axe sur civil. Et dans ce cas, les civils peuvent potentiellement par les devenir addicts au jeu d'argent. Sûrement la mano. Ouais, sûrement la mano. Est-ce qu'elle est vraie, une noire et blanc? Ouais, elle est noire et blanc, ouais. C'est la mano. Est-ce qu'il te suit? Ah, mais tu fais 10-31 engagé. 24 demande de renfort. Alors, dernière fois qu'on est passé par là, ça s'est mal fini pour moi. Hein. 10-4. De 90, on a plus de donuts à la maison. Nickel. On va faire un petit tour en ZMS, hein, nous. Ouais. Nous, on va bien. On est nickel, on avait un casque et un gros 4x4. Monsieur, bonsoir, c'est la mano, c'est pour un contrôle. À la doublette là, elle a piqué du cul. Hein. Ah. Vous avez pas vu moi. Vous voulez que je vous emmène à l'hôpital? Non, un petit pansement ça devra aller. Ah, mais j'y passe pas. Moi j'étais prêt d'intervenir sur le code 99. Et regarde ton cul. Il me semble que. Oh, t'as le cul rouge. C'est merveilleux. On a fait les mines avec Chez nous, je serai là, moi. Bah les mines, vous les avez fait, non
Je suis pas sûr. Non, je crois pas. Non. S'arrêter au GPB. On en a 10 à la maison. On a les tenues Asmat. Oui. Ah ouais, tout a été fait. GPB, les tenues Asmat, ok. Ils viennent chercher. Ah, ils répondent pas pour le moment, donc. Putain, mais ce clapet de téléphone, comment ça commence à me rendre ouf. Je vais encore aller mettre le feu à Life Invader. Ok, il y avait du monde d'ailleurs dans leur bureau là, c'était blindé. L'application, c'est lui qui vient de sortir, je pense que c'est l'équipe de... qui reçoit tous les retours. Pour travailler dessus, j'en sais rien. C'est genre bien. Vous pouvez ramener les caisses si vous le souhaitez. Peut-être qu'il faut relancer, non? Bah surtout qu'ils ont déjà 5 caisses en attente là, qui vont pas ramener. 5-6. Ah ouais. Et on va faire ça d'ici 5-10 minutes, on récupère le véhicule de Lina qui s'est planté, elle est aux EMS. Pas de soucis. Moi je termine les SMS importants et j'arrive. Le snack important. SMS vert. Bouge. Non mais je suis 8ème là. Qu'est-ce que c'est cette histoire? Intolérable. Je vais être obligé de tuer les 7 premiers. De 20 Milo. En plus je sais que je peux le faire. Comme la barre de fer. Je peux tout faire. Là où je suis content de moi, chérie. Je sais ce que c'est. Oui, dis-moi. Il y a vraiment quelque chose. C'est que par rapport à quand je suis arrivé aux États-Unis, et je trouve que les gens disent moins qu'ils me comprenaient pas. C'est vrai quand tu réponds moins, Tractopelle. Moi, je trouve que j'ai un peu perdu mon accent. Un peu. Ça n'empêche pas que... Oui, alors ça c'est quand ils veulent. Mais ça j'ai fait d'énormes progrès. Et j'ai fait attention. Je me souviens des conversations avec Little Seoul qui étaient un peu compliquées quand même. Oui mais ça c'est parce que aussi Kim faisait pas d'efforts. Entre nous. Il faisait pas d'effort. Mais la pomme, c'est pas un rond-point, bordel! T'as failli. Ta mère l'a puté, c'est ça? On était là. On était sur la maman des poissons qui est là, le tourant. Pourquoi je regarde le score? Quelle erreur à pas faire, ça. Alors, ça et les pommes de l'extérieur, c'est compliqué. La maman des poissons, elle a le tourant. Quand je la vois. Oui. J'arrive pas à choper la première pomme. Ah ouais, quand même. Quand je la vois. Oui. Non, des merdes, des crottes. Je l'ai pas vu, il a pas tourné. Il a pas tourné. SPCT. SPCT. Ah oui, d'accord.
Ah, une pomme. En tout cas, manger 5 fruits et légumes. Tu t'en vas, Hannibal ? Bah quoi, faut bien vendre la dope. Oui, parce que on est sur les dossiers Snake là. Ah, d'accord. Mais on va t'aider. On a un peu genre 600 kilos de dope là. On a que 600 ? Peut-être plus. Oui, je crois qu'on a ça. Hier, on avait beaucoup. Là, on a 1500. Si on doit avoir c'est quoi, on va 300, faire un truc. Je vais t'aider quand je serai top 1. Bon, donc il t'aidera jamais. Je crois en toi, Pablo. Ah bah, pas moi. Hein. Okay. Moi c'est, je sais, c'est moi les top 1. Je vais casser un. Et vous comprendrez maintenant pourquoi j'ai 12 téléphones. Hein. Parce que si j'en casse un, j'en ai toujours un. Oui. Je vais aller braquer Ginette pour les téléphones, moi. Braque des mecs, hein, ça sera moins. Hein. Alors, on prie la sainte beuteux, mais ça n'est dans rien. Et hein. Prier la beuteux ? Bah, on prie la sainte beuteux, et au final, le serpent, il se mange toujours autant la queue, quoi. Une chanson en tête. Ah. Ça a été relancé pour les oiseaux, là. Quelqu'un lui répond. Je joue. Non, non, ça. Ils arrivent pour nous redonner les caisses. Son nom c'est Alphonse Brun. Oh non! C'est la puissance du port du Havre. Oh, je suis trop d'arrêt. Ça ne te fera pas monter au score. Surtout si tu plantes le téléphone, il y a ta main derrière. Actuellement, faut qu'il récupère la voiture qu'elle a plantée et elle est au 2MS. Et après, il nous ramène les caisses, après on relance. Tu veux faire à mesure des. Non, mais je le déteste, je suis une sous-merde. Miguel la sous-merde. Ah oui, d'accord. Oh, d'accord. Bah, ça, SMS, sous-merde de Snake. Tu sais ce que j'ai envie là ? On tue des gens ? J'ai vraiment envie d'un ville, j'ai un trapin, je le défonce. C'est ce qu'on a fait tout à l'heure, nous. Ah t'es, cache-nous, ça fonctionne mieux, je sais pas, je... Je sais. Je sais pas, je... Ouais. Peut-être que c'est une technique ancestrale que je ne connais pas. La fameuse technique de la scène buteux. Oui, oui. C'est du froid de ton sexe contre le bitume, ça fonctionne mieux. Si seulement. Pas de se manger la queue, ce putain de serpent. C'est un serpent qui m'habite. Ah, en dansant. J'espère que ça va me détendre. Genre, on va pas comprendre, on va avoir Turbo dans le top 100. Ça arrive, ça. Ah, oh, il serait capable de les ébrouiller. Tu sais ce qu'il a essayé de faire tout à l'heure, Hannibal ? Il allait à Life Invaders trouver les mecs qui développent, juste pour mettre son nom hein, d'abord. Le mec a dit non, il l'a défoncé. Je suis parti, j'ai pas de dos. Ah. Putain, merde, des bites, des crottes, des. Je reviens, il faut que je trouve quelqu'un. Je trouve quelqu'un, je le défonce. Juste pour le plaisir, je m'en bats les couilles. Tu pourras me ramener un hein. Franchement, j'aurais pu, oui. Comme c'était assuré, je me suis dit. Vous m'excuserez auprès de votre collègue.
suis désolé, j'étais énervé, il fallait absolument que quelqu'un paie. Voilà, j'espère qu'il n'aura pas trop des douleurs par la suite. Non, mais excusez-moi, après de congé. Vraiment, désolé. Désolé, vous avez vraiment pris aléatoirement. Aléatoirement. Non, mais il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. Mais par contre, ça va beaucoup mieux. Voilà, je voulais vous dire. Je lui dirai que, vous allez mieux. À bientôt. Chercher quel type de bouffe, Pablo. J'ai planté les mecs des bûcherons. Vraiment? Oui, à la supérette. Celui qui a le camacho? Non, je sais pas. À la supérette, il y avait deux bûcherons, ils discutaient. Oui, toi, tu aimes la vie, moi aussi. J'y arrivais, j'ai planté les premiers, je suis parti. Après, j'ai revenu, j'ai excusé. Nickel. Mais quand j'ai excusé, il m'a dit c'est bon, pas de problème. Ah, d'accord. Il m'a dit vous inquiétez pas. On s'est dit qu'il y avait un monde sur ton bois, sur les bois que t'avais déjà planté. Ça va mieux. J'hésite à reprendre les. Une patrouille qui arrive, code. Ah bah oui, oui, bah oui, patrouille code. Ouais. En bas, au niveau de l'université, ça a tout éteint. Donc c'est peut-être parce que. Ça arrive. On a planté un. Ah, il s'est dit, je peux venir livrer si tu es dispo. Il veut me livrer quoi? La dope? 15h39. Je vais aller voir. Si. Tu veux livrer quoi? Si, le truc rouge là que j'ai récupéré, là, que tu m'as dit que c'était pas toi. Ah putain, si, ok. Et viens. C'est possiblement pour la station essence, vu que Miguel, pour cet an, on a été planté un mec. Pas de soucis. Et j'ai des fois t'es payé. C'est bon. A tout de suite. A tout de suite. Ice arrive pour nous vendre une caisse. Il a piqué une caisse, bah je pense aux Etats. Et il nous la ramène. On le paye 2000. Effectivement, ils sont à la station essence. Tu penses qu'il y a besoin que je vais m'excuser? Moi, je sais pas, pour le moment, ils ont les gyros, ils ont l'air de parler avec les mecs. Ah oui, 3 voitures quand même. Il faut pas que je me chauffe. Non. T'es où? Je suis devant, je regarde. Je vais aller mettre à la piscine aux jumelles pour regarder.
Vagos qui sont là. J'arrive. C'est 2000, hein, ça. Oui, tu peux les payer. Hop, 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 hop. Ah ben. On va y arriver. Ouais, donc t'as trouvé une caisse ? On peut dire ça comme ça. Bah si t'en trouvais d'autres, et je les achète. J'appelle. Ouais, si c'est les tiennes, c'est compliqué. Mais... Si tu les ramènes, dans tous les cas, je te les achète. Ah, ok. Bah si c'est les miennes, tu vas voir les hommes. Donc t'inquiète pas qu'ils vont te dire non, non. Voilà. Si c'est pas les miennes, tant mieux, je te les achète. Pas de soucis. Okay. Si bah, allez. Ok. Allez, soucis. 2000 la caisse, du coup. Ok. Oh, ça va. Parfait, merci beaucoup. Bonne soirée. Bon courage. Chérie, alors, qu'est-ce que ça donne? Je les vois taper la bavette avec leur 4-3, ils papotent. Il y a deux BCSO qui sont devant, je pense que les flics sont à l'intérieur avec les autres. Je vois que deux bagnoles, l'autre... Non, il y a toujours les trois bagnoles. Et il y a trois flics qui sont à terre. On va faire des super hacks si t'as envie de te défouler. Non, mais c'est bon, ça va mieux. J'étais un peu énervé par la situation, j'ai trouvé un défouloir. C'était monsieur. En plus, un collègue m'a dit non, non, c'est pas grave, vous inquiétez pas. Donc, ils sont ok. Qu'est-ce que ça donne? 65. C'est énorme, 65. On dirait taille des égounettes. BCSO, hein, et les speedy. On a relancé les caisses pour les... Ils ne sont pas venus les amener? Non, ils ont pas... Je crois qu'ils sont toujours occupés. Vous êtes dispo du coup ou pas? Oh. 5 minutes si possible, on est dispo. J'arrive, ça marche. Recherche et lion. C'est quoi un lion? C'est le 4-4 de Kim. Ouais, c'est le 4-4 de Kim. Ouais. Chérie, y'a un mec qui veut acheter un lion. Ouais, mais si je vends les lions, j'ai plus d'off-road. Ah oui, c'est pas faux. Bon, ça avance ce snake? Non. Il me trouve un Camacho, ça. Il y a quelqu'un qui cherche à 20 gras. Ouais. Je peux peut-être me vendre moi 20 gras. Il y en a là. Hein. Ah, tu veux lâcher le wagon? Des fois, je le trouve un peu. Il est pas assez solide. Le Camacho? Non. Je pense que tu peux en tirer un bon. Le Camacho est parti à l'eau. C'était 4K, c'est... oui, il avait été récupéré Gargo Bob, je pense que l'assurance l'a remboursé à mon avis. J'aime bien changer des voitures de temps en temps, vendre et racheter, non? Ça permet que ça tourne. Ouais, mais le problème c'est... Bon, en tout cas, c'est pour l'événement vendre, de la journée problème, à la pour super racheter, c'est compliqué quoi. Parce qu'il n'y a pas tout le monde qui partage cet avis là. Trois bagnoles de flics, mais pas un seul EMS. Elle est sur quoi là, Kim? Et la supérette où j'ai planté les mecs. Juste en bas. Personne n'achètera ça à Blazer Street.
À une époque, on vendait de la drogue dessus, hein. Oui. Un Futo. Bah voilà, il aurait pu s'acheter ça, Jim. 30 000. Il y a quand même des voitures qui se vendent, la Futo, ça avance bien. Bon, allez. Raiden. Diabolus Custom. Il faudrait que je demande à Parna s'il veut pas la FMJ. Entre la zone Tarno. Bien sûr. Jamais il accepte. FMJ plus un billet. Mais bon, je suis pas sûr qu'il accepte. Non, il vendra jamais ça. Un jour ça finira mal, je devrais la faire péter. Enchaîne coup de fil sur coup de fil, call radio sur call radio. C'est bon pour nous quand vous voulez. Vous pouvez passer, dites-nous quand vous êtes devant la porte. Ah, je veux dire pour recommander, pardon. Ouais, c'est relancé. Ouais, ça m'a saoulé. Les EMS arrivent. Toujours plus devant cette supérette, hein. Pourquoi ? Il y avait le monde qui y a, 3 bagnoles, 4 pieds à terre avec des 4-3 dans la main. On verra pas d'ici où faut aller là-bas. T'as l'agent du LSPD qui fait l'ARH pour le BCSO. Ça y est, je pense qu'ils vont enfin bouger, le mec qui s'est planté est en train de sortir.
Ah, t'as pris Sprunk, mec. Putain, c'est toi. Mais oui. Je vais mourir par Miguel. Mais j'ai vu qu'il faisait quoi à côté de ta voiture? Bah, il y a une voiture rose qui bite, qui me suit. J'ai dit, qu'est-ce qu'il veut? Il y a un problème? Les patrouilles sont en train de décaler. Ils décrochent. Il va se le laisser, je pense qu'il branle. Les bois s'en vont. J'espère que t'as pas une envie de braquer, Miguel, quand même. La fois, j'hésite. La FMJ stock, je sais pas si c'est le bon call. Ça, c'est mon alien par contre. Il me disait bien que ça ressemblait pas au parking. Comment je vais aller réparer alors? Ah bah, toujours plus. Toujours plus. En 10, 100. Bon, je vais réparer la voiture. Bah, moi aussi, du coup. C'est vrai qu'on pourrait ouvrir un cirque à Mano. Je vais tous les buter dans cette ville. Pourquoi? Ils savent pas conduire, du coup je viens de caler, bordel de merde. Il fait un bruit tellement chelou, lui. Voilà.
Relancer. Ce que je me disais en fait, c'est qu'à part Hannibal, c'est le seul qui bosse. Ça y est, moi je me suis mis à bosser, moi je relance les caisses pour les waves. J'abandonne le snake pour aujourd'hui. Il a l'air de faire les gueules dans notre 4. Vu ce qu'il a pris, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? Il a pris une rame de cirque? Il a pris une barre en ferraille parce qu'un putain d'enculé de merde dans sa voiture blanche ne sait pas conduire. Un peu plus, finissait boum dans la station essence. Il finit la journée sans tuer quelqu'un, c'est un miracle. Un miracle. Il fait des drifts là. Je sais pas. Faut tester les pneus. C'est un bruit tellement chelou que si je le poussais à plus de 90, je pense qu'il explosait les lions. Alors je vais mettre un pansement aussi. Tu veux un pansement? Oui, bien, s'il te plaît. Miguel le médecin. Et je vois ça, futur chef des EMS. Donc si je mets un passement, ça va. Merci. Bah allez. Petite course poursuite avec la police et j'arrive. Prends le cul cette histoire. Non. Hannibal? Ouais. Tu as des copains là où tu es? C'est bien. Tu disais que t'avais des policiers un peu chaud. Bon là ça va. Si tu veux rencontrer les policiers les plus chauds de ta région, on va policier. Au 8 ou 22 22. On va 555 cops. T'es à quel endroit? On va une mood. J'arrive. Avant de taper des flics, j'ai posé ce que j'ai sur moi là quand même. Et je vais taper aucun policier. S'il faut une CP et que ça part en couille. En vrai, la FMJ elle se conduit bien. Fait penser un peu à l'ETR. Hein. Il va vraiment vendre FMJ. Non, non, j'ai pas amené des drogues. T'es un génie, boss. Je me suis juste dit que si j'ai faisais des allers-retours sur Vinewood, tu pouvais vendre tranquille pendant qu'au pire ils font des petits contrôles et routines. Moi je me tâte à vendre avec la Fairness classique. En vrai, dans un monde idéal, ça passe. CP en cours sur Vinewood. Pas ah ouais, pour moi. 30 secondes.
Au-dessus de 93-93 à côté du point bleu. Ça commence bien. Ils sont en train de me dire que les jours où ils ouvrent un casino, je perds ma vie et notre argent. C'est pour ça que je vais garder la caisse noire, je pense. Hein. Police qui va passer devant chez nous, ils ont pas les gyros, rien. Déjà en fait je me dis que dès que le golf est disponible, dès que le golf réouvre, j'ai fait des parties de golf à 10 000 balles. Ça va bien, Hannibal, ou pas? Oh, ouais, c'est tranquille. Péré. Nous ramener les caisses? Ok. C'est pas mal aussi, un qui vend, deux qui sécurisent avec des voitures hors des prix. On vend la drogue avec Steel, on le fait pas. On vous ramène ça du coup. J'ai bien compté, Mike devrait en avoir 7 là. Ça marche. Avec la FMJ, t'es un peu obligé d'écraser les freins, mais elle est pas mal. C'est parce qu'elle est stock, faudra la boost. Faudrait que j'aille regarder combien ça coûterait. Ça peut faire du mal, je pense. Je vais aller voir. Je vais aller voir combien ça a coûté. Moi, si elle est à 454 les grossesses, on a pour peut-être 500k d'upgrade, je pense. Parle de quelle voiture hein? FMJ. FMJ.
45 000 pour les moteurs, 49 000 pour les freins, 112 000 les transmissions, 63 000 les suspensions, 76 000 les armures, 180 000 les turbos. Ça, c'est du Mesa niveau 1, non ? Il y a 600, 700 000. En vrai, quand je vois ce que je fais avec stock, je me dis que ça peut être un monstre. Elle monte déjà à 220 stock. Je me demande si c'est pas plus un monstre que la Zantorno. J'hésite. Ouais, mais la Zantorno. Ah, d'accord, que Zantorno, c'est Zantorno. Groupe 6 qui se rend sur la supérette et derrière est la Pacifique. Bon, ils se rendent ailleurs parce qu'ils sont pas à la supérette. J'ai vu leur camion devant la Pacifique. Ils sont en train de s'égarer devant la Pacifique. Avec un fusil à pompe. Ça a mis les gros camions devant, mais aussi la voiture. D'habitude, il les met sur les côtés, mais là, elle est devant. Mais ouais, ils arrivent. Vous pouvez rentrer, je suis derrière vous. Je pense que c'est un convoi de sécurisation d'une entreprise. Hannibal, t'as une vision de la OT? Je suis en train de dealer. Faut que je vienne ou pas, Kim? J'ai l'argent. J'ai aussi. Okay. Et ça répare. Je sais pas où ça va. Ils en ont 7, ils les mettent dans la paria, faudrait la récupérer. Je les suis, ça m'intéresse de voir où ils vont. Il reste. Ça devrait aller. Je pense que Kim peut prendre le reste. Je
Je viens de rajouter 7 sur la compta. Bonjour monsieur, vous n'avez pas vu les stops? Si, je suis navré monsieur, c'est de ma faute. J'étais sur un retour alors chez eux. Et leur véhicule fait automatiquement et... comment ça s'appelle ? Blocus en cas de problème. Quand j'ai essayé la voiture de Monsieur Badger, leur 4x4 hier, il me disait que justement ça avance pas, mais quand ça se met en travers, c'est un tank. Du coup, ils les utilisent pour pit ou autre. Ah oui, toi t'essayes tranquillement les gars de chez GC, si tu te donnes les petits conseils. Bah oui, hier quand j'ai testé leur 4x4 parce que je cherchais un 4 places, oui, il m'a expliqué pourquoi ils l'utilisaient. Donc ça avance pas beaucoup, mais ils se mettent en travers dès qu'il y a un souci pour que le truc puisse tanker. Et même pour Pete, c'est royal. C'est relancé du coup. Ah, c'est fait de l'ordre voilà. Gentiment. Là, je me suis gardé. Bon, info, il y a les balances qui arrivent. Voilà. T'as mis les 7 sur la compta, Mike? Oh, elle est classée de voiture, bonjour. Bonjour. C'est triste de voir la frapper. Oui, je suis d'accord, elle est très belle. J'espère que juste le coupé aura suffi. Je suis pas fan. Oh, mais t'es jamais content. Toi t'es difficile, c'est pas possible. Ah écoute, je suis pas fan. Ah mais chacun ses goûts et ses couleurs. Hein. Mais la petite lame blanche devant, ça rend bien quand même. Oui. Ah bah tu vois quand tu veux. Je les ajoute les 12 000 euros. Hop, t'as quoi de siphon. Hop. Et bah voilà, elle est comme neuve. Eh mais grave, merci à vous. Allez, passez une bonne journée, après-midi. Bon courage à vous. Bonne journée. Bonne journée. En fait, ce que je me dis, c'est que j'aurai les moyens de full customiser la FMJ. Mais quoi, tu veux la vendre? Pour l'instant, non. Je voudrais la customiser. Ah, j'avais compris vendre. Mais non, c'est qu'avant, j'avais une voiture de course full customisée, mais je l'ai offert à ma femme. Femme qui doit d'ailleurs te rembourser 800 000 pour pouvoir acheter des tourneaux. Après, si tu la custo, elle peut taper 1 million, 1,2 million, donc si tu la revends, après la Zentourneau, tu peux l'avoir ici. Pour ça, il faut que quelqu'un veuille acheter la FMJ. Tu veux déjà un acheteur, il me semble. Des gens qui sont potentiellement intéressés par la FMJ. Je sais pas si c'est le seul modèle sur l'île. Je crois que oui. Regardez dans le frigo, il y en a peut-être. En combien là? Il en manque 9 du coup. Je profite avant l'hiver parce que dès qu'il va neiger, c'est impossible de conduire la FMJ. Je pense qu'en hiver, la FMJ tiendra bien mieux que la paria sur la neige. Pas sûr.
Donc quand même gilet à partir de maintenant. Les gilets c'est bon. Je peux te dire que la paria sur la neige c'est un enfer. La cabine d'aller chez nous, je vous laisse y aller, j'en ai déjà une sur moi. Les ballasts sont là ? Ils arrivent. Je dois faire un retour villa. Oh, pas spécialement, il va juste venir prendre ses armes. C'est toi qui vois, si tu repasses, tu repasses. Hein. Ok, ok. Donc 6 gilets. Je vais sonner chez 15 Tommy. Secondes. En 120, tout au sud. Tenu hazmat. Ouais. On a pris combien Pablo? Y'a pas quelqu'un, y a pas quelqu'un qui était sur une caisse, une caisse tatoueur là? C'est pas nous la caisse tatoueur. Si tu la vois tu la récupères, c'est cadeau ça Hannibal. Non 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 c'est pas ça, c'est qu'il y en a qui viennent de se faire chouchou. Mais je crois que dans ce cas ça doit être Zetacé. Nous qui avons envoyé une caisse tatoueur. Non. Je crois qu'on n'est pas les seuls à faire appel à des petites mains. On va manger 10 tenues. Ouais, je suis dans ma tête 5 minutes. J'arrive pas à rentrer Milo. Ça ressemble pas aux états. Normalement c'est non, bon. Non, okay. C'est un bison. Bon, les mecs qui sont arrivés dessus, c'est un bison, ils sont proies à l'intérieur. Ça ressemble pas du tout à leur méthode. Sinon c'est peut-être quelqu'un qui chasse les caisses. Hein. Peut-être. On peut demander sur la radio chez nous... Les gars se déplacent dans un bison à 3. Ils ont vu leur voiture, ils ont pas de bison, ils ont un Evron, ils ont une Sanchez et après ils ont les voitures qu'ils ont achetées pour faire des sup. Ok. On peut faire un check-up sur les tenues à ce mat là, combien il en manque. Après Hannibal, les états sont tellement cons qu'ils sont capables de se balader à 3 dans un bison. J'ai les 50 dans le bison, Pablo. 50 et 10 chargeurs, ok. Ça m'arrangerait qu'ils soient malins, Hannibal. Tu sais qu'ils se disent qu'ils vont faire appel à des petites mains, mais je pense et que nous, ils sont débiles comme, est... comme c'est okay. Possible. Et la K est dans les bronzes. Ok. Et les chargeurs dans le bison. On est good. C'est récupéré. Y'a les keufs toujours aussi accro qu'il y a ça. Trois voitures. D'hélico bizarrement. Au moment qu'on les a pas vus les hélicos. Je l'ai pas noté celle-là. Je vais en relancer une, je la note. Je vais relancer. Ils ont dit qu'ils arrivaient quand même à l'as. En route. Il a appelé à 16h15. 10 minutes pour venir. Un passage à la banque.
Et sérieux, il répond plus là. C'est quoi? Il répond plus. Qui ça? Nicolas. C'est lui, il est peut-être. C'est peut-être lui, il est débile, un bisou. Ouais, t'es sur la route? Ok, ça marche. Jamais il arrive. Il est en route. Mon dieu, mais il conduit à quoi? 4 km/h? Non, le temps de faire 3 snakes. J'ai l'impression qu'on l'attend depuis 3 jours. Bah ouais. 15 minutes pour venir quoi. C'est le décalage horaire ça. Par en contrôle 70-49. C'est toi qui te fais contrôler? Ouais, je sais pas, les mecs ils ont des yeux bioniques et genre je roule vite parce qu'ils m'ont vu à 1 km. Ah, demande-leur si je roulais pas trop vite là, animal. Je sais pas, tu... faut peut-être passer plus vite. Hein. Ça vient mieux si tu commences à dépiter. Et là, c'est bon, c'est assez vite pour eux. Et là, là t'étais à combien? 175. Ils veulent une tentative à 180.
De toute façon, il leur faut un appareil pour juger de la vitesse. Ils ont pas d'appareil, pas de jugement. Ah ouais, je sais ce que je leur dis. De toute façon, je roulais pas vite. Et dis-leur que s'il veut absolument amender quelqu'un, je repasse, il met les radars. Si vraiment ils sont en dèche, on y va comme ça. Même pas, elle s'occupe avec moi. Moi j'en ai 4, je le contrôle, j'arrive. Ils sont à 4 sur toi. 4 voitures. 4 sur moi. Hannibal, 4 voitures. Voiture, monsieur Wiman. Bonjour monsieur Collins. Bonjour. Vous allez bien? Excusez-moi, pardon. Attendez, attendez monsieur. J'ai vérifié les plaques de gaz. Nouveau travail. D'accord. D'accord. Ils ont pas voulu sortir le radar. Vous venez pas sur c'est la plaque contrôle juste adapté. Pour assister votre collègue par hasard? Pas du tout. J'ai nouveau travail et gaz de la ville. J'ai vérifié les plaques. Et celle-là doit être vérifiée parce que... Et tout se passe bien? Ça risque pas d'exploser? Vous pouvez y aller monsieur. Ah non, non, j'ai vérifié juste des chiffres, moi je m'occupe pas de la, de la mécanique. Vous avez des données comptabilisées, bah ouais. Si tout se passe bien. Bah oui, s'ils sont chauds. La plaque est en ordre, impeccable. Bon courage. Ah, parfait. Bon courage monsieur. Bah, voiture. Allez. Tournez monsieur Coyne. J'avoue, voiture des fonctions abusées. Bonne journée. Bonne journée monsieur Coyne. T'as été récupéré, on vient livrer. Ah là là. Monsieur Collins, si vous ne maîtrisez pas la vitesse de votre véhicule, il faut changer de véhicule. Les créneaux, qui s'est mal passé. Vous direz au bénisse que c'est de ma part, la réparation. Je viens de penser à un truc. Tout fait confusion. Ouais, reviens un peu moins vite quand même la prochaine fois. Bon courage à vous. Bon après-midi. Hannibal, j'ai fait les créneaux dans le véhicule. C'est propre ça. Et j'ai dit toutes mes excuses, vous mettrez sur ma note au bénisse. Je vais arrêter pour contresens, je sais pas si t'as vu dans quel sens je suis reparti. Non, non. Il m'a dit qu'est-ce que vous faites là, c'est pour le copain? J'ai dit non, je m'occupe des plaques de gaz, nouveau métier. Et la mano internationale. Hein. Et la mano sécurité, la mano gaz, la mano déménagement, la mano drogue, la mano drive, la mano arme. Électricité aussi bientôt. La mano.fr. Qui vient de me refaire les sons. C'était bon pour vous du coup? Oui, c'était bon, on allait. Bah, vu que personne répond en radio, j'étais là si tout allait bien. Ok, c'est relancé. Est-ce que Nicolas y est passé ou pas du tout? Ouais, ouais, ils sont là, mais il avait pris une Raiden ou une je sais pas quoi, donc il va rechercher un véhicule avec un peu plus de capacité. Je suis devant. Voilà. Allez-y, entrez. Et qu'est-ce qu'il fait? Il a laissé les deux copines? Ouais. J'aurais dû au moins de prendre la K dans le véhicule parce que si ça souffle, ça me ferait chier. Il est venu avec la même voiture que Mike. Je sais pas ce que c'est comme voiture. Et ici? Ah oui, ils sont venus à 3 ici avec une voiture électrique. Il va y avoir un problème de place. Et il faut enlever les batteries. Ouais. Il m'a dit mais non on s'arrête. Je fais bah écoute, donne l'argent et tu verras. Je l'ai vu partir tout seul, je fais ah bah voilà il a compris. Même pas s'il a pu prendre grand chose en fait. Ce qui reste dans les... Oh, c'est bien ce qui me semblait. Hein. Un peu tracté avec le bison. Déjà, peut prendre les gilets. Attache remorque derrière.
Il a au moins pu prendre les chargeurs et le vêtement à se mettre. Moi j'ai dit le jour il neige, j'emprunte le bison derrière, j'attache une remorque, je mets un jet ski dessus, je vais tout en haut du mont Chilad et je descends le mont Chilad dans le jet ski. Il y aura peut-être des motoneiges. Hein. Devant. Vous pouvez rentrer. En fait, c'est devenu une espèce de drive. Exactement. Si Mike nous ramène ses petites mains, on peut aussi vendre la drogue. Ils arrivent à porter les caisses sur leur manteau. Ouais. Bah, y a une petite main à Mike qui va nous ramener des sacs déjà. 600 sacs, apparemment. 600 sacs ? Mais combien ? Ouais. Ça arrive avec un. Mais du coup, on pourra pas stocker, donc faudra vendre tout de suite. Ah bah. Voyons, on a pu. On les vendra dans la foulée. On va gagner la place des GP. Un Novak. Ah bah ouais, exact. Exact, t'avais vendu un Novak. Tout s'imbrique bien. Attends. Regarde la plaque. Pas celui que j'avais. Non, t'as changé également, je crois. Comment ça va? Non, non, je l'avais changé. Impeccable, les commandes sont complètes et prêtées. Ouais, l'erreur. Merveilleux. Amusez-vous bien avec votre AK-47. Oh, j'hésiterai pas. Je te la donne au quartier. À l'université, c'est blindé là. 15. Leur poche. Plein. Je pense qu'ils sont pleins. Tu vois les balas, ils font pas trop parler d'eux, mais ça bosse. Mon Gordo, plage du Nord. Bah allez. Vous avez besoin de la pause, vous voyez où elle est. Je range le bison, Mike. Je veux bien la pause, Matt, s'il te plaît. Je file. Ouais. On voit ça. Ouais, Junior. Faites attention à vous ce week-end et on se voit lundi. Yes. Ça marche. Pas de soucis. Ça marche. Allez, bah, je vais me faire une petite sieste, on se voit lundi. Allez, ça marche. Ok, boss. Allez, soyez sages, vous avez des drogues, des armes, des jouets, des prestataires des services et des culs à casser. Amusez-vous bien. Bon week-end. Allez, suis, merci. Tu veux des souvenirs si on découpe des gens? Bien sûr que j'ai des souvenirs. Dans les doutes, j'ai mis mes armes et à l'armerie. Mesdames et messieurs, non, il n'y a pas de live ce soir. Ce soir, j'emmène les enfants au Zénith de Nantes voir Disney concert. Voilà, donc je vais ce soir, j'emmène les enfants là-bas en mode surprise, etc. Et puis après, week-end. Je vous mettrai le programme la semaine prochaine, ou dans le week-end. Il y aura... Pardon, une programmation un peu spéciale la semaine prochaine, parce que je suis absent mardi, mercredi, pour deux raisons, une garde pompier et autre chose, voilà.
T'es pas ban Disney depuis longtemps? Non, je suis pas ban, je suis juste pas invité. Faut que je paye mes places, c'est tout, mais je vais pas à Disney Disney, je vais à Disney, c'est au Zénith de Nantes, en mode c'est un spectacle en fait, c'est un concert. Voilà. Mesdames et messieurs, merci à vous, on se retrouve dans le week-end, je vous fais des gros bisous, j'espère que vous avez passé un bon moment. Je vous fais des gros bisous, je vous dis à lundi, prenez soin de vous, merci au seul, merci au reçoit, merci au follow, mesdames et messieurs, merci à vous, bon week-end, salut. Shoulder, done with my cigarette.